cette rencontre du 8e tour de Coupe de France entre l'US Saint-Malo et le Stade Briochin. Je suis accompagné de Brian Pimon. Bonjour Brian. Bonjour Morgan. Brian, bonjour à tous. Je représente rapidement. Tu es analyste vidéo pour l'équipe première de l'US Saint-Malo et c'est également exact. Coach de l'équipe de R2 du club. C'est ça, exactement. Vous le savez, une rencontre qui devait se disputer dans un premier temps samedi à Saint-Brieuc, une rencontre qui a été reportée en raison de la neige, des conditions météo, un terrain impraticable à Saint-Brieuc. Des conséquences sur ce report, le fait qu'effectivement on va jouer à domicile puisque c'est une nouvelle un nouveau règlement de la Coupe de France pour cette édition un peu particulière 2020-2021. Donc le match est non seulement reporté mais également inversé. L'autre conséquence qu'on a appris également, c'est que Johan Kerbrat devait, le joueur de Saint-Brieuc, le joueur expérimenté de Saint-Brieuc, le joueur vainqueur de la Coupe de France avec Guingamp, qui joue aujourd'hui à Saint-Brieuc, devait être suspendu à partir de lundi, c'est-à-dire qu'il devait jouer samedi, et forcément, comme il était suspendu à partir d'hier, il ne sera pas de la partie aujourd'hui face à Saint-Malo. C'est plutôt une bonne nouvelle, Brian. Oui, vu que la commission a lieu chaque jeudi pour juger des cartons pris le week-end précédent, c'est le règlement qui veut ça. Donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est quelqu'un d'expérimenté et qui a vécu un beau parcours et une victoire en Coupe de France dans sa carrière. Un vainqueur de la Coupe de France qui ne sera pas sur le terrain de Marville aujourd'hui. Alors justement, en parlant de terrain, on a eu quelques craintes parce que compte tenu, là aussi, on a eu de la neige à Saint-Malo, compte tenu de cette météo un peu particulière et des effets du dégel sur la pelouse, il était question de jouer sur le terrain synthétique, l'ancien terrain synthétique ici à Marville, qui est dans un état assez déplorable, on va pas le cacher. Heureusement, la décision a été prise hier, finalement, de jouer sur le terrain d'honneur. Donc au moins, on va jouer sur une belle pelouse aujourd'hui contre Saint-Brieuc, ce qui devrait nous offrir un beau spectacle, finalement. Oui, on a un terrain qui est largement praticable. Il a bien absorbé les quantités de neige qui sont tombées cette semaine. Donc c'est plutôt une bonne chose pour le foot de jouer sur l'herbe aujourd'hui. Ouais. Alors Brian, on était il y a deux semaines à Saint-Brieuc déjà, pour jouer contre Jean-Glin-Cesson, pour le retour de l'US Saint-Malo à la compétition. Une victoire large, 4-0 finalement. Mais une victoire acquise dans la douleur quand même. Et on était dans la position malgré tout du favori puisque deux divisions d'écart avec Jean-Glin. Aujourd'hui, l'état d'esprit change, l'état d'esprit s'inverse. C'est bien Saint-Brieuc qui est le favori, Saint-Brieuc qui joue au-dessus de nous. Comment on bascule de l'état d'esprit comme ça, du favori à l'état d'esprit de la petite équipe, entre guillemets, bien sûr. Mais je dirais qu'on a eu un parcours favorable pour maîtriser un peu ce sentiment d'être d'outsider, puisqu'on a pu rencontrer Plabennec à domicile. Plabennec qui était sixième du championnat avant la crise sanitaire et nous qui étions treizième. Donc on avait ce statut entre guillemets d'outsider et on a su parfaitement répondre en étant très réaliste et en gagnant 4-2 à domicile. Ouais, donc c'est quelque chose qui à mon avis n'est pas dans la tête des joueurs et sur un match de coupe on sait très bien que tout est possible. Et ça a été prouvé d'ailleurs par les résultats de ce week-end, notamment les victoires de La Montagne, de Guichin. Effectivement, ouais. Et un beau succès de transition face à Plabennec le week-end dernier. Les clés, quand on est le petit, encore une fois je mets des guillemets, hein, parce qu'on le disait avant de prendre l'antenne, Saint-Brieuc est monté dans des circonstances particulières l'année dernière, donc il jouait dans notre groupe encore il y a quelques mois. C'est quoi les clés pour basculer, faire un petit exploit en Coupe de France comme ça, notamment en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit? Les clés, il y en a plusieurs. Il faut être très très solide sur les débuts de match. On sait très bien que la division supérieure, tout de suite on veut mettre l'emprise sur le match, mettre beaucoup de rythme, donc il faut faire être très très costaud durant les 30 premières minutes. D'autant plus que Saint-Brieuc marque énormément de buts durant la première demi-heure. Ouais. Et notamment sur les 6 victoires, il y en a 5 pendant leur championnat qui ont été gagnés suite à des buts dans la première demi-heure. Donc il faut qu'on soit très très solide, notamment sur la première demi-heure. Et puis plus le temps tourne et plus ça jouera en notre faveur. Il faut bien évidemment noter que la saison dernière, Saint-Brieuc a été éliminé par Gonfreville au pénalty. Donc je pense que c'est quelque chose qui reste en tête. Et le fait d'avoir le temps jouera avec nous aujourd'hui, j'en suis persuadé. D'accord, très bien. On va basculer sur la caméra à pelouse. On va nous prendre place pour vous donner les compositions d'équipe. On se retrouve dans quelques secondes. Bon match à tous. De retour au stade de Marville avec Brian Pimon à mes côtés. Le coup d'envoi dans moins de 10 minutes maintenant. Les joueurs ne sont pas encore arrivés sur la pelouse. Juste le temps pour nous de vous donner les compositions d'équipe.
On va commencer par le Stade briochin, si vous voulez bien, avec, on le disait, Brian, avant de prendre l'antenne également, de nombreux changements par rapport notamment à l'équipe qui a battu Vannes la semaine dernière. Oui, effectivement, notamment l'absence de Kerbrat qui est évidemment préjudiciable pour cette équipe de Briochin, et le Marreur, leur capitaine, qui s'est fait expulser. Oui. Ajouté à cela la blessure de dernière minute de Zana Allé, qui est un titulaire indiscutable cette saison, et enfin la blessure de l'attaquant du Tournier, qui est un véritable point d'appui qui est très important dans leur modèle de jeu. Quatre absences vraiment notables du côté du Stade Briochin. Dans les buts, eh bien, on trouvera l'habituel gardien du Stade Briochin, Maxime Patier. Alors Maxime Patier, il a une histoire avec l'US Saint-Malo en Coupe de France. Puisque c'est lui qui gardait les buts du FC Lorient, je crois, alors de mémoire, en 2016 ou 2017, quand l'US Saint-Malo avait éliminé la Ligue 2, l'équipe de Ligue 2 de Lorient, qui venait de descendre d'ailleurs en Ligue 2. C'était bien Maxime Patier qui gardait les buts du FC Lorient à l'époque, donc est-ce que c'est un bon présage? On verra plus tard. En numéro 2, l'incontournable, le Groc, Benjamin Angois, ancien de Guingamp notamment, qui avait joué d'ailleurs avec Kerbrat. En numéro 3, Hugo Vargas Rios. En numéro 4, Kevin Simon. Alors, bien connu hein, des supporters malouins, puisque Kevin a porté les couleurs du club pendant deux ou trois saisons ici. Et on en garde un excellent souvenir. En numéro 5, Hugo Boudin, le capitaine, aujourd'hui, pour le Stade Briochin. En numéro 6, Théo Bloudot. En numéro 7, Valentin Lavigne. En numéro 8, Maël Ilien. En numéro 9, Scott Kay, qui avait marqué un doublé la semaine dernière contre Vannes. Alors, on le disait, c'était ses deux premiers buts de la saison, hein, mais malgré tout, un beau doublé contre les Vannetais. En numéro 10, Nakibou Aboubakari. Et en numéro 11, le dernier arrivé en date pour le Stade Briochin, Rafiki Saïd, prêté par le Stade Brestois, un tout jeune joueur qu'on va un peu découvrir aujourd'hui. Sur le banc du Stade Briochin, en numéro 12, Quentin Hurvoy. En numéro 13, Damien Boisvillier. En numéro 14, Ahmad Allé, qui était titulaire la semaine dernière et qui est un titulaire lui aussi indiscutable, Ahmad Allé, qui revient de blessure, donc il est sur le banc aujourd'hui. Erwan Mbok en numéro 15, Cheikh Ndiaye, bien connu aussi lui par contre des supporters rennais, si je ne me trompe pas, l'ancien gardien du Stade Rennais. En numéro 17, Devon Romil, et en numéro 18, Emeric Gomis-Maillard. On passe à la composition tout de suite de l'US Saint-Malo, avec dans les buts Nathan Jaworski. En numéro 2, Johan Wechter. En numéro 3, Thibaut Hamel. En numéro 4, Thibaut Sillard. En numéro 5, Jean Hugonnet, qui sera capitaine aujourd'hui. En numéro 6, Landry Nkoulou. En numéro 7, pardon, Eddy Debreu. 8, Melvin Vieira. En numéro 9, Kevin Goba. En numéro 10, Gaël Danik. En numéro 11, Léo Yobé. Et sur le banc de l'US Saint-Malo, on retrouvera Zakaria Vdaouche, Tommy Iva, Alexander Broquet, Emerson Polo, Jean-Anjan Kolog, le gardien remplaçant de l'US Saint-Malo aujourd'hui, Joshua Curtius. Et Gwen Foulon, une équipe quasiment au complet, à l'exception de Valentin Mirou qui est de retour qui est en phase de reprise, on va dire. C'est exact, oui. Donc une équipe quasiment au complet du côté de l'US Saint-Malo, une équipe un peu handicapée par les absences du côté du Stade Briochin. Ça ne veut évidemment rien dire, mais en tout cas, à quoi s'attendre, Brian? Est-ce qu'on peut s'attendre à des modifications qui seront inévitables, je pense que. Notamment dans l'axe, le fait de l'absence de Kerbrat et de Le Marreur, ça fait quand même deux défenseurs sur la ligne arrière. Donc dans l'idée, j'ai l'impression que Maxime Dornano va aligner Benjamin Angois au poste de latéral droit et avoir une charnière centrale composée de Kevin Simon axial gauche et de Hugo Boudin axial droit, et Hugo Vargas qui va évidemment garder son poste de latéral. Ouais, automatiquement, voilà, ça fait quasiment la charnière complète qui change, ouais, mais par rapport à leurs habitudes, mais donc oui. Ça sera un effet notable sur la suite du match. Après, c'est un charnière qui change. Après, on connaît bien notamment Kevin Simon. Alors certes, c'est Kevin Simon, on ne sait pas si c'est le niveau national, mais c'est un très bon joueur. On l'a connu ici à Saint-Malo. Voilà, c'est quand même, en plus, on a l'avantage de connaître, même si les joueurs qui jouent aujourd'hui à l'US Saint-Malo, pour la plupart, n'ont pas joué avec Kevin Simon. Alors que les joueurs font leur entrée sur la pelouse, je vous cache pas, hein, on en parlait avec Brian, on sait un petit peu avant le match, on est très excité par cette rencontre, il y a de l'espoir, on peut y croire, même si, encore une fois, attention, hein, les favoris, ce sont bien les visiteurs, mais vraiment, là, enfin, on a une belle, alors même si on avait déjà une belle affiche, la semaine dernière avec la venue de Plabennec, là, on est très heureux de retrouver ces grandes affiches de la Coupe de France au stade de Marville, avec malheureusement, l'absence notable des supporters. On espère que ça entrera dans l'ordre au plus vite. Oui, deux équipes qui se connaissent bien, qui ont pu déjà s'affronter en Coupe de France par le passé. Oui. Donc on s'attend vraiment à une rencontre rythmée. Et puis voilà, quel scénario de jouer un mardi après-midi avec toutes les conditions climatiques, la crise sanitaire.
Il y a tellement de choses qu'on peut perturber la tenue de ce match. Donc d'être là aujourd'hui, c'est vraiment un privilège et on s'attend à passer vraiment un bon moment. Ouais, et effectivement, hein, c'est un match qui sera marqué hein, quand même par de nombreuses péripéties entre effectivement la crise sanitaire qu'on connaît maintenant depuis un an et puis effectivement hein, ce match reporté, la neige, c'est quand même pas fréquent. Vous qui nous écoutez et qui êtes bretons pour la grande majorité d'entre vous, vous savez bien que c'est quand même pas fréquent. Donc la neige qui finalement fait que ce match est reporté, puis inversé, puis joué en semaine un mardi après-midi. Enfin voilà, vraiment déjà un match qui, avant même le coup d'envoi de cette rencontre, déjà beaucoup de péripéties autour de cette rencontre. Espérons que eh bien, ce match reste dans les mémoires à Saint-Malo et que nos Diables Noirs passent ce tour supplémentaire pour s'octroyer la possibilité d'aller jouer un 32e de finale à un Zinzac Locris face à la Montagne, puisque le tirage, pour ceux qui l'ignoraient, a déjà été tiré pour la suite. Oui, et puis automatiquement, au vu des conditions, la préparation de ce match a été pas mal perturbée, avec notamment des entraînements en salle, des choses qui sont un peu inhabituelles pour ces deux équipes. Donc dans toute la préparation, que ce soit le côté tactique, athlétique, il y a pas mal de changements. Il va falloir s'adapter à ces conditions et répondre au mieux aujourd'hui. Alors on avait parlé à Jungla il y a 15 jours hein, sur le fait que effectivement les joueurs de R1, de Cesson, Jungla-Cesson n'avaient pas pu beaucoup s'entraîner. Là, alors Saint-Brieuc est en compétition depuis le début de la saison, ils sont à fond dans leur compétition nationale. Nous, on ne fait que s'entraîner, entre guillemets, à part ces deux tours de Coupe de France. Est-ce que ça, tu crois que ça, au fil de la rencontre, ça peut jouer ? Ça peut être vu. On peut avoir deux points de vue sur ce sujet, puisqu'il ne faut pas non plus négliger le fait que Stade Briochin est à quelques points de la zone de relégation. Ouais. Ils ont quelques matchs charnières à venir derrière. C'est une équipe qui n'a aucune victoire à l'extérieur cette saison. Donc c'est des paramètres qui aussi favorisent l'équipe Malouine. Maintenant, voilà, c'est une équipe qui a du rythme, qui est habituée, qui a gardé un rythme régulier depuis le début de la saison. Donc ça peut aussi être important aujourd'hui. Effectivement, tu l'as dit, Brian, aucune victoire à l'extérieur pour Saint-Brieuc. Espérons que ça continue comme ça. C'est parti pour ce 8e tour de la Coupe de France avec le coup d'envoi donné par les Briochins, et un ballon récupéré très rapidement par les Diables Noirs d'entrée de jeu. Ouais. Alors tu l'as dit, hein, Brian, il va falloir être très très attentif sur ce début de rencontre. Ouais, et on se rend compte une équipe briochine qui a l'air de jouer assez haut. Ouais, comme il l'avait fait contre Val. Et on a bien Benjamin Angois qui va évoluer au poste de latéral droit. Comme tu l'avais dit, ouais. Des premiers contacts et on y est côté Malouin clairement. Ça défend avec cette intervention de Thibaut Sillard pleine d'autorité. Aboubakari qui essaie de remettre, mais c'est contré, c'est récupéré par Melvin Vira qui touche déjà au moins son 2e ou 3e ballon et un premier coup franc en faveur de l'US Saint-Malo. Bien joué de la part de Melvin Vira cette récupération. Et puis la dimension athlétique va être importante et on espère que la pluie ne va pas retomber pendant cette rencontre puisque le terrain va la subir aussi. Donc on espère c'est un peu la crainte effectivement, hein, on l'a dit, on a failli ne pas jouer sur cette pelouse du stade de Marville mais plutôt sur le terrain synthétique. On peut craindre effectivement que cette pelouse qui a un peu souffert avec la neige et le gel souffre au fil des minutes. On va voir comment ça évolue et effectivement on aimerait autant qu'il ne pleuve plus. Le dégagement de Nathan Jaworski. Johan Vechter à la lutte. C'est récupéré. Non, là, Johan Vechter, pardon, c'était pas lui tout de suite. Ouais, bien joué. Melvin Vira qui a pu décaler Gaël Danik, qui écarte là-bas sur Léo Yobé. Allez, il y a un 2 contre 1 à jouer. Léo Yobé droit, qui va pouvoir accélérer. On voit que le terrain a l'air assez lourd. Léo Yobé qui va tenter une première frappe centre-tir, on va dire. Et ça sort en sortie de but. Première opportunité. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait peut-être de temps de centrer au deuxième poteau? Est-ce que tu crois qu'il voulait frapper ou centrer? Pour moi, je pense que c'était un centre-tir, histoire de surprendre un petit peu le gardien et les défenseurs. Le terrain est humide, hein, donc des centres fluents comme ça peut tout de suite être dangereux. Ouais. Après, il y avait le décalage aussi avec Johan Wächter à côté droit qui pouvait être joué. Effectivement, après, on a vu que Léo Yobé, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur très rapide, très vif. On a vu que là, il a eu un peu de mal à se mettre dans le sens de la marche. Bien joué, bien anticipé, ça de la part de Melvin Vira. Ah, malheureusement, le mauvais contrôle de Thibaut Hamel, ça sort en touche en faveur de Benjamin Angois et du Stade Briochin. Qui se positionne en 4-2-3-1 avec Bludo vraiment en sécurité devant sa défense et Ilien et Aboubakari qui vont essayer de jouer entre les lignes. Ouais, il y a Scott Kay qui décroche beaucoup. Ouais, effectivement, Scott Kay il a déjà touché pas mal de ballons, il a pas mal décroché, on l'avait vu hein, contre Van la semaine dernière, on avait observé cette rencontre avec attention et effectivement Van avait fait un très très gros premier quart d'heure avec un gros pressing sur les joueurs de Vannes. Les deux équipes évoluent avec un bloc médian. En coulisses, on ne va pas forcément chercher les deux centraux sur les premières relances. Ouais, on laisse venir un peu. Ouais. Et
une formation malouine qui évolue en phase défensive avec 5 joueurs, comme tu le disais, et 3 centraux que sont Thibaut Sillard, Jean Hugonnet et Landry Nkoulou. Ouais, un 5-4-1 sur les phases défensives qui se transforme vite en 3-4-3 lorsqu'on a le ballon, avec deux pistons qui peuvent exploser à tout moment. Ça circule bien côté Brioche. On a récupéré le ballon avec Léo Yobé à nouveau. Léo Yobé qui va essayer d'éliminer, de trouver une solution, de calmer le jeu un petit peu, de ressortir sur Jean Hugonnet. C'est bien joué. Attention, parce qu'effectivement, ils sont hauts, ces Briochins. Il ne faut pas faire d'erreur technique dans cette zone du terrain. Et effectivement, mieux vaut allonger comme le fait Thibaut Sillard. Bien joué, dans le dos. Allez, Thibaut. C'est bien joué, Thibaut. Thibaut Hamel est passé. Est-ce qu'il va pouvoir s'enfuir en première? Attention. Il a attendu un petit peu. Ah, il avait trouvé. Oh, le mauvais contrôle. Il avait trouvé Léo Yobé qui rate son contrôle. Malheureusement, attention, il est pris dans le dos, Johan Vechter. Ah oui, il est parti là-bas sur le côté gauche. Jean, il faut fermer la passe intérieure, Jean. Bonne intervention. Bien joué, très bonne intervention de Jean Hugonnet. Et la faute sera en faveur de l'US Saint-Malo. Attention à ça, ces ballons dans le dos. Et vous voyez, on a encore vu que le terrain est très très lourd. Johan Vechter a mis beaucoup de temps à se retourner. C'est pas dans ses habitudes. Ouais, et Jean qui a bien assuré son rôle de couverture. Ouais, très très bien défendu de la part de Jean Hugonnet. Ouais. On est très content. On avait parlé de son retour face à Jean-Glain Cesson, lui qu'on avait quitté juste avant l'arrêt du championnat sur une blessure. Et c'est un défenseur très précieux, on le disait, avec Thibaut Sillard en défense centrale. Ça forme une. Alors là, ils sont effectivement à 3 aujourd'hui, mais quand ils sont à 2, ça forme une charnière centrale très 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 très, très solide. Le avec dégagement Kevin, de Thibaut Jaworski. Il faut jouer les duels. Eddie Debreu qui trouve Léo Yobé, qui touche beaucoup de ballons en ce début de rencontre. Léo Yobé, Eddie Debreu qui va commettre une petite faute, ouais, en tombant. Ouais, il y a beaucoup de pression dès qu'il y a du jeu intérieur. On voit bien, ils sont dans les starters, les joueurs briochins. Ouais, on l'a dit, on le répète, c'est leur point fort, ces débuts de rencontre au Briochin. Mais on est vraiment présent, en tout cas du côté de l'US Saint-Malo, au niveau des duels, au niveau du quadrillage du terrain aussi. C'est bien en place du côté malouin. Ouais, ça coulisse bien sur les temps de passe, ça sort bien sur le porteur. Pour l'instant, on respecte la logique qui a été demandée par le coach avant le coup d'envoi. Et on voit bien de toute façon l'équipe de Maxime Dornano, elle a cette habitude de poser, de prendre le temps, ouais, mais de construire, de venir chercher des points d'appui, de revenir. Et là, on voit que les Malouins ne leur offrent pas de solution, contrairement à ce qui s'est passé la semaine dernière contre Vannes, où ils avaient vraiment. Attention, j'avais pas vu cette feinte. Ouais, Kevin, il est gaucher, le gardien, il doit le savoir. Ouais, bien joué, bonne intervention, ouais, Thibaut Sillard, une petite poussette dans le dos peut-être, mais c'est pas signalé par monsieur l'arbitre. Le ballon est brioche, hein, de toute façon, on cherche à jouer croisé là-bas sur Saïd, pardon. Jeune joueur formé. Au stade brestois. Allez, prêté par le stade brestois en tout cas. Il faut communiquer là, ouais, attention à ça. Attention, c'était risqué, mais c'est passé pour Galdani qui va pouvoir relancer à nouveau dans le c'est dos. Encore dans le dos de Benjamin Angua, ouais. Ça va être un petit peu long, un tout petit peu trop long pour Thibaut. Il faut rester haut. Bel effort de Galdani là pour venir fermer. Ouais, bien joué Gaël, il est venu. Ouais, dommage, il arrive un peu tard. Allez, mais le pressing est collectif, c'est bien joué. Et on va empêcher ces relances courtes et cette possession du stade briochin. Attention, superbe. Bien joué, Landry. Superbe intervention de Landry Nkoulou. Magnifique. Tacle. Et ça, il va falloir être prudent sur ces phases. On va aller chercher haut. Ouais, savoir attention, protéger, hein, parce que ça va vite. Ça va vite du côté de Saïd. Hein. Défendre la profondeur. Anticiper. Et ça passe par beaucoup de communication. Le coup franc en faveur du stade briochin. Et le ballon dans les pieds de Boudin, le capitaine, qui trouve Angua. On décale là sur Lavigne qui ressort. Angua, à nouveau. On en fait tourner du côté du stade briochin, mais encore une fois, pas de solution pour l'instant, contrairement à ce qu'ils avaient vécu la semaine dernière, les briochins contre Vannes, où ils avaient vraiment fait un premier quart d'heure canon et où ils se trouvaient très facilement. Ouais, mais on voit bien que c'est une équipe qui prend le temps. Ouais, c'est pas le genre d'équipe qui va paniquer. Il n'y a pas de hors-jeu signalé sur Kay. Et sans se livrer, Jean. Face à Jean Hugonnet. Ouais, bien défendu de la part de Jean Hugonnet qui a bougé, qui a reculé. Le centre, ouais, bien joué. Bonne intervention de Thibaut Hamel avec le rebond. C'était un peu compliqué. On repart très vite en contre avec Léo Yobé. Dans le dos de Vargas qui est monté. Un latéral qui monte Bogo, hein, beaucoup, Hugo, ouais, Vargas. Il monte beaucoup, mais il est aussi très rapide. On l'a vu, là, ouais. Il est revenu très très vite sur Thibaut Hamel. Ouais, il va falloir être prudent sur ces phases-là. Il y aura beaucoup de centres qui vont venir de son côté. Ouais, on l'a vu, il a crevé l'écran un peu face à Vannes. Et c'est le cas quasiment à tous les matchs, hein, cette saison, hein, pour en avoir observé quelques-uns. Ouais, c'est clairement un très bon joueur, le latéral moderne, contre-attaquant. Ah, dommage, il y a Didier Debreu qui n'a pas pu intervenir sur cette passe latérale. Et c'est Bludo qui peut relancer. Attention, il y a un peu d'espace pour Ilien. Non, il ressort. Et on va continuer à faire tourner. On a gagné quelques mètres du côté briochin.
Et c'est un ballon difficile, faut intervenir. Ouais, très bien. Ouais, alors, super, il s'en est bien sorti. Hein, le joueur briochin, pas de faute signalée par monsieur l'arbitre. Ah, Kevin qui rate son contrôle malheureusement. Ouais, du mal à ressortir. Ouais, un petit peu. Ils ont grappillé quelques mètres hein, sur le territoire malouin, les briochins. Mais on va s'en sortir, on va pouvoir respirer un petit peu avec ce long, trop long ballon qui va sortir en sortie de but en faveur de Nathan Jaworski, en faveur de l'US Saint-Malo. Et les briochins toujours aussi haut qui vont nous empêcher de relancer court. Ouais, je crois que c'est un des objectifs de l'équipe, empêcher les relances courtes. Il va falloir gagner les duels devant. Et oui, et comme tu le disais, hein, il va falloir gagner effectivement le défi physique parce que c'est une équipe physique, cette équipe de Stade ouais. Briochin. Notamment avec Ilien et Bludo au milieu de terrain là, qui sont à plus quasiment 1m90 tous les deux. Et la preuve, c'est bien Bludo qui a pris ce ballon. Bludo qui a l'air vraiment d'être le maître à jouer là, qui distribue gauche à droite, il va chercher les joueurs couloir. Et après il y a un jeu de position entre Abou Bakary et Ilien entre les lignes. Abou Bakary qui joue assez bas aussi. Hein. Attention, ce ballon encore une fois pour Saïd qui cherche Kiei qui peut se retourner mais qui est bien pris cette fois par Johan Vechter. Très bien joué de la part de Johan, même si ça va être un corner en faveur du Stade Briochin. Et là aussi, hein, même devant, Kiei, c'est un morceau aussi physiquement. Il va falloir être présent face à ce joueur. Ouais, c'est un joueur complet, capable de jouer de haut but, capable de prendre la profondeur. Donc il va falloir être vigilant sur ses déplacements. Et le premier corner de cette partie est en faveur du Stade Briochin qui, pour l'instant, eh bien, possession du ballon qui ne s'est pas créé véritablement d'opportunité. Attention à ce premier coup de pied arrêté en leur faveur. Très important d'être présent là sur cette première. Allez, Nathan, bien joué Nathan. Très bien joué. Allez. Il a voulu relancer vite Nathan, pas de solution. Il va attendre un petit peu. Si finalement il a Melvin Vieira à côté de lui sur le côté gauche. Melvin qui va aller se prolonger contre un devant. Dommage, si ça passait. Dommage, c'est malheureusement contré. Et ça revient non, à nouveau dans les pieds de Melvin Vieira qu'on voit beaucoup dans ce début de rencontre et qui subit une nouvelle faute. Un petit peu à l'expérience. De Benjamin Angois. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a C'est l'esprit coupe, il y a un petit peu d'animosité, ça fait partie du jeu, ça bluffe un peu. Et c'est important que maintenant sur la première, le premier coup de pied arrêté, premier corner défensif, au vu des coups de pied arrêtés qu'on a un peu subi contre Plabennec la semaine dernière, bah d'intervenir sur la première, ça rassure tout le monde et lui ça le met dans les meilleures conditions pour la suite. Ouais, et on a vu Melvin Vieira très présent dans ce début de match pour l'instant, malheureusement. La remise de Thibaut Hamel qui ne parvient pas jusqu'à Gaël Danic et c'est Angois qui peut dégager le Stade Briochin. Alors il venait à la lutte mais il est pris. Par Kiei. Bien joué Melvin. Super Melvin à nouveau. Allez, on va chercher la largeur. Léo Yobé qui va pouvoir rentrer dans la surface. Peut-être il a éliminé un joueur. Il cherche Gaël Danic. C'est un peu court. Gaël Danic a tenté une frappe qui a été contrée. Ou un centre fort peut-être de la part de l'ancien Guingampais. Et Landry, attention, ça fait deux fois qu'il se livre sur la prise de balle. Ouais, attention à ça. Et on voit bien sur ce côté gauche là-bas, ça joue pas mal du côté. Ça joue pas mal sur ce côté gauche du côté briochin. Et on remet le jeu sur la largeur. Et oui. Avec de l'espace pour Angois. Bludo qui conserve, qui cherche une solution, qui va s'avancer. Ouais, c'est bien joué de il part. A vu Kiei là-bas seul, il est hors jeu Kiei. Super sur le coup. Elle est très mobile hein, cet attaquant. Ouais, et puis toujours positionné entre les deux bien joueurs. Avec la défense malouine, avec l'alignement malouin là. Il était hors jeu, mais franchement, ça s'est joué à très très peu de choses. Ouais, toujours positionné entre Landry Nkoulou et Jean Hugonnet. Donc il faut bien communiquer pour gérer ses déplacements. Allez, il faut essayer d'aller porter un petit peu, conserver un petit peu ce ballon. C'est notre jeu à Saint-Malo aussi. Trouver les solutions dans l'entrejeu, c'est les deux équipes sont vraiment bien en place. On voit bien que c'est solide des deux côtés. Le 4-1-4-1 de Van bien en place. Si vous n'avez pas eu de plan large, mais vous n'avez pas le plan large, mais on voit très bien le schéma de Van en position défensive aussi. Allez Kevin, on a besoin de toi sur ces phases-là. Ouais, il faut que tu ailles. Hein. C'est pris, mais ça va être une touche en faveur de l'US Saint-Malo sur ce dégagement de Kevin Simon. En touche. On entend Fabien Pujol qui donne ses conseils à ses joueurs. Qu'est-ce qu'il a pu conseiller Fabien? On sait que le premier quart d'heure est souvent très costaud, la première demi-heure très costaud du côté de Saint-Brieuc. Qu'est-ce qu'on dit à ses joueurs? On leur dit non, c'est à nous d'imposer notre rythme ou alors on laisse l'orage passer ou alors on voit comment ça se passe. Non, bah c'est vrai que c'est avec toutes les absences qui étaient un petit peu prévues et le scénario de ce match, c'est difficile de se faire des plans sur la comète, comme on peut dire.
Mais vraiment, cette première demi-heure, de prendre peu de risques, c'est pour ça qu'on voit que sur les transitions, on cherche vite du jeu vers l'avant. Ouais. Éviter de prendre des risques, vraiment tenir cette première demi-heure qui pour nous est cruciale aujourd'hui. Ouais, déjà 13 minutes de jeu quasiment, et toujours ce score de 0-0 entre les deux équipes. Pas vraiment d'opportunité ni d'un côté ni de l'autre, si ce n'est ce centre-tir tout à l'heure un peu topé de Léo Yobé. Mais vraiment pas de danger pour les deux gardiens jusqu'à présent. Allez, il faut mettre un petit peu plus de rythme. On est toujours dans ce qu'on pourrait appeler un round d'observation, même si physiquement en tout cas, les deux équipes répondent présent. On va insister sur les côtés, notamment dans le dos des latéraux. On l'a vu, ça fait plusieurs fois que Thibaut Hamel joue haut dans le dos de Benjamin Angois. Et c'est passé tout à l'heure. Et puis c'est pareil, malgré tout, même si on le disait, hein, Saint-Brieuc bien joué, très bonne intervention de Jean Hugonnet. Même si Saint-Brieuc joue une division au-dessus de Saint-Malo, il jouait encore dans la même division, dans le même groupe il y a quelques mois. Et puis ces deux équipes se sont affrontées à de nombreuses reprises en championnat ces dernières saisons, avec toujours des matchs au couteau et des matchs souvent remporté ou en tout cas pas perdu par l'US Saint-Malo, mais parfois contre le cours du jeu, faut être honnête, mais malgré tout, Saint-Brieuc craint peut-être un petit peu aussi cette équipe. Bah écoutez, ouais, le passé il parle dans ce sens-là. L'année dernière, on avait fait match nul là-bas avec un but de Gaël Danic en fin de match, alors que Saint-Brieuc était sur une bonne phase, une bonne série de résultats. On avait su être costaud et aller tirer un match nul chez eux à l'extérieur, donc on se rend compte que sur un match, de toute façon, il n'y a pas de complexe d'infériorité à avoir. Hein, c'est la dernière des bêtises à faire. Effectivement, un ballon perdu par les Briochins directement en touche. Un petit peu hasardeux de la part d'Hugo Boudin. Ouais, est-ce que un peu comme ils l'ont fait contre Vannes, ils vont commencer à un petit peu à. En tout cas, leur jeu c'était un petit peu délité contre Vannes au bout d'un quart d'heure, mais ils menaient 1-0. Hein, c'était pas le même scénario. Après, les statistiques le prouvent, hein, il y a passé la première demi-heure. Après, c'est une équipe qui peut ronronner un petit peu. Maintenant, à nous d'être costaud, d'éviter ce genre de ballon perdu bêtement. C'est dommage parce que là, il y avait un peu d'espace. En tout cas. On faudrait essayer de garder un petit peu ce ballon. C'est vrai que c'est pour l'instant un peu compliqué pour nos Malouins pour le conserver. Mais on est réactif sur les transitions. Je trouve qu'on reprend vite le cadre de l'équipe. Ça coulisse bien. Long ballon d'Angois pour Kiek qui n'est pas signalé en position de hors-jeu. Super intervention, double intervention de Hugonnet et de Sillard. Est-ce qu'il va être hors-jeu, Gaël Yannick? Il n'y est pas allé, Gaël, parce que je crois qu'il était hors-jeu. Plus vite. Allez, il faut aller fermer. Il faut aller fermer. Il faut aller un peu plus haut. Un petit peu ce bloc, ouais. Allez. Et le dégagement de Maxime Pathier. Maxime Pathier, ouais, Jean Hugonnet, l'intervention. Il y avait hors-jeu sur ce dégagement de Maxime Pathier. Et le ballon va revenir à l'US Saint-Malo. Maxime Pathier, hein, on le disait aussi juste avant la prise d'antenne, auteur d'un très très bon match contre Vannes la semaine dernière en Coupe de France. Un score très flatteur hein, pour le Stade Briochin de 3-0 parce que Vannes a eu énormément d'opportunités. Mais soit les attaquants vannetais ont fait preuve de manque de réalisme ou de maladresse, comme on veut. Soit eh bien, quand ils étaient à droite ou en tout cas qu'ils cadraient leur frappe, on avait un Maxime Pathier presque en état de grâce la semaine dernière. Ouais, c'est un bon gardien prêté par le FC Lorient, formé au Stade Rennais. On va espérer qu'il soit dans un moins bon jour aujourd'hui. Est-ce que ça serait bien d'aller le tester justement, si on pouvait essayer de se projeter un petit peu. C'est ce qu'on souhaite. Attention, Eddy l'a laissé échapper ce ballon et sa transmission à Melvin Lira, heureusement. Ouais, heureusement, Maël Lilien a laissé échapper ce ballon, ouais, à cause du terrain notamment. Ouais, bien défendu. Bonne lecture de la part de Vargas, qui a joué avec son gardien de la tête. Bien défendu de la part de Vargas Rios et on repart du côté du Stade Briochin. Ouais, on relance court. Il y a quelques maladresses aussi techniques. Allez, faut en profiter, faut gagner des mètres. Forcé, on a bien vu Boudin tout à l'heure qui a perdu un ballon long. Et ben voilà, oblige, c'est très très bien joué ce pressing là. On oblige les Briochins à se précipiter, à jouer directement en touche. Et alors on a Melvin Vira pour l'instant qui est omniprésent. On le voit un peu partout sur le terrain. C'est lui qui était au pressing. J'espère qu'il va confirmer la bonne prestation, notamment sur le plan défensif qu'il avait fait à Plabennec où il avait beaucoup coupé les lignes de passe. Il avait été très bon dans l'équilibre défensif de l'équipe. Il est parti sur les mêmes longueurs d'onde aujourd'hui. Encore lui. Il est dos au but, il laisse le ballon à Jean Hugonnet. Attention Jean, il faut revenir. Attention, pas aller se livrer deux fois avec Eddy Debreu. On est passé du côté de Aboubakari. Et on va chercher, heureusement, le bon retour de Thibaut Hamel. Ouais, bien joué de la part de Thibaut. Bien revenu aussi lui. Et ça montre de la sérénité quand on vient jouer avec ce gardien alors qu'on est sous pression. Ouais, tout à fait. Et puis une confiance dans Nathan Jaworski aussi. Ouais, très bien l'intervention de Kevin Gobat. Ah, malheureusement un peu court sur le deuxième ballon. On gagne la touche. Si on joue vite. Ouais. Il l'avait vu Hugo Boudin, mais il a bluffé. Il a bien l'expérience. Fait. Ça n'a pas fonctionné. Ouais, l'arbitre a presque pu siffler une petite faute sur Boudin, mais
Touche en faveur de Thibaut Hamel. Il y a Gaël qui rate sa transmission vers Goba. Il un peu. Ah ouais, Melvin, encore et toujours lui. Mais coup franc en faveur de l'US, pardon, en faveur du Stade Briochin suite à cette intervention un peu musclée. Premier carton. Ah, un carton faute, déjà. Premier carton pour l'US Saint-Malo. Il faut un peu de compréhension. Thibaut Hamel, ouais, un petit peu en retard, Thibaut, peut-être. Monsieur l'arbitre qui veut marquer son territoire aussi de son côté. Ouais, c'est une façon de marquer l'autorité. Ouais, effectivement. Un peu sévère, hein, ce carton. C'est handicapant hein, dès la 18, la 19e minute. Là. Ouais, c'est des faits de jeu qui peuvent être importants dans la suite du match. Après, Thibaut, c'est pas non plus le joueur qui prend énormément de cartons, mais il a ça. Il va forcément avoir ça en tête pour le reste de la rencontre. Ouais, le coup franc pour Stade Briochin. Il faut être présent sur tous les deuxièmes ballons. Voilà, Boudo. Gaël Danick à la lutte avec Angoua. À nouveau Gaël Danick. Il a trouvé Thibaut Hamel. Thibaut Hamel qui va être pris, mais qui va obtenir la touche. Les deux équipes coulissent bien. Ça sort bien sur le porteur. Ouais, Saint-Brieuc récupère les ballons ou défend un petit peu plus haut que Saint-Malo. C'est une véritable bataille tactique pour l'instant. Ouais, c'est assez fermé. Hein. Petite poussette dans le dos de Goba, pas signalé par monsieur l'arbitre, les deux, dit-il. Le match. Ah oui, on reste dans son match, Kevin, avec Kevin Simon. Kevin Simon qui trouve Angoua sur le côté droit. Angoua qui va chercher long. Non, il va ressortir finalement sur Boudin. Préfère prendre le temps. Ouais, on va remettre peut-être un petit peu le pied sur le ballon du côté de Stade Briochin, parce qu'on était un petit peu rentré dans le jeu de l'US Saint-Malo là, depuis quelques minutes à jouer vite, à essayer de se projeter vers l'avant. À se précipiter, alors que vraiment leur habitude c'est de. Ouais, ça, là, c'est perdu le ballon. Ah, il est un peu long ce contrôle de Jean Hugonnet, mais il met toujours le pied au moment où il faut quand il perd le ballon, Jean. Ah, ce ballon un peu trop long de Gaël Danick pour Thibaut Hamel. Attention, il faut le garder de dos, faut pas qu'il se retourne. Bien joué, Thibaut. Ouais, super l'intervention de Thibaut Hamel. Le petit pont de Gaël Danick qui profite à Thibaut Hamel, qui est parti, qui va essayer de. Ouais, qui va obtenir ce coup franc. Il avait Kevin Goba qui se chauffe un petit peu avec Angoua. Là encore, on essaye de. Allez, pas tomber bêtement. D'imprimer sa marque. Attention, parce qu'il a de l'expérience, hein, Benjamin Angoua. Ah, Kevin en a aussi. Oui, Kevin aussi, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu Kevin qui est plutôt venu chercher Benjamin Angoua dans un premier temps. Ouais, ça fait partie du. Ah ouais, mais tout à fait. Et puis jeu. Pourquoi pas. Ça reste dans les règles. Et puis et dans l'esprit. Et puis ce premier coup franc bien placé pour l'US Saint-Malo. On a des très très bons tireurs de coup franc. C'est un petit peu loin peut-être pour un Melvin Vira par exemple. Ouais, il y a pas de vent aujourd'hui. C'est... délicat. Après, Melvin peut nous surprendre. Ah, Melvin, quand vous aurez la possibilité de le faire, quand les choses reviendront à la normale, je vous invite à venir voir un entraînement de l'US Saint-Malo et à observer Melvin Vira quand il fait des coups francs. C'est assez impressionnant. Ça va plutôt être Gaël Danick, a priori. Non, je pense que ce sera Léo. Ou Léo Yobé. À mon avis. Léo, est-ce que ce sera direct ou est-ce qu'il va chercher la zone second poteau? Je vois plus la zone second poteau. Cadré au second poteau. Une opportunité, allez, clairement, pour l'US Saint-Malo. Dans la zone gardien, c'est peut-être un des points faibles de Maxime Pathier. Allez, le coup franc de Léo Yobé, le coup franc direct sur Maxime Pathier. Bonne prise de balle du gardien du Stade Briochin qui tombe. Il ouais. n'y a pas grand-chose là hein, sur Maxime Pathier. L'expérience aussi, le métier. Kevin qui allait au pressing, mais alors il y a un coup franc. Ça prouve qu'il a envie. Ouais. Allez, on communique là, gérer second ballon. Il y a deux grands joueurs, Ilien Bludeau, on l'a assez répété. Donc être présent, anticiper le second ballon. Et c'est Thibaut Sire qui va s'en charger. Évidemment, la lutte, ça va être pour lui. Malheureusement, c'est ouais, finalement, ça revient quand même sur les Malouins. On l'a dit, hein, pas de risque dans ce début allez. De rencontre. Allez, c'est pas un ballon facile à négocier. Il faut aller chercher. Ouais, faut ça les va gêner. Encore être une touche pour l'US Saint-Malo, peut-être. Non, finalement, ça sort pas ce ballon. Mais c'est conservé par les Malouins avec Eddie Debreu qui est pris malheureusement. Attention à la transition. Ouais, bien. Oh là là, Jean qui passe au travers. Ça profite à Kiey, mais le retour, le très très bon retour de Jean Hugonnet. Ah, par contre, la relance est moyenne, mais ça revient quand même dans les pieds Malouins avec Gaël Danick. Gaël Danick devant lui, peut-être. Il n'y a personne, il n'y a pas de solution. Gaël, il va ressortir. Nous gagner un temps. Ah, il avait le temps, Gaël, de ressortir. Ça s'est un petit peu refermé. Ouais, mais... Eddie Debreu, ouais, on se complique un petit peu la vie, mais malgré tout, ça revient dans les pieds de Gaël Danick. Kevin qui est à l'arrêt, il aura fallu être en mouvement. Ouais, et Gaël, lui, il est en mouvement, Gaël. Et Danick. Et malheureusement, ce ballon est finalement récupéré par les Briochins. Allez, on va serrer. Voilà, on sent qu'on joue un petit peu plus haut. Attention, mais c'est un Briochin qui est capable d'intervenir. C'est précis, hein, les Briochins, techniquement. Donc, si on rate nos premières interventions, ça peut aller vite derrière, heureusement. Ouais, on sent bien que même sous pression, ils sont capables de ressortir court.
Très bonne intervention de Johan Vechter, heureusement, sur ce ballon à nouveau pour les attaquants briochins et Saïd en l'occurrence. Melvin Vira. Jean Hugonnet. On fait tourner côté malouin, on cherche une solution, mais Saint-Brieuc est en place. On empêche ses relations courtes, hein, on voit bien. Ouais, on force l'adversaire à jouer bien côté. On va chercher tout de suite Landrine Koulou. Et ouais, qui rate du coup sa relance. Faut pas forcer. Ouais, l'intervention est intéressante de Landry parce qu'elle a permis de récupérer ce ballon tout de suite avec Thibaut Sillard. On voit bien les rebonds là, c'est très compliqué ce terrain alors qu'on ne joue que depuis 23 minutes. La faute sur Melvin Vira. Il y a du bon jeu côté là, du jeu de position entre Thibaut Hamel et Gaël Danic. On voit Gaël qui vient dans l'interligne là, entre Boudin et Angois, alors que Thibaut prend la profondeur, il y a des coups à jouer de ce côté. Ouais, c'est vrai, Gaël, on sent l'envie. Notamment hein, les attaques placées, on sent qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer. Il l'avait dit, Gaël Danic, dans une interview à nos... Bon ballon, ça. À France Bleu Armorique, que ce matin, hein, qu'on a pu lire ce matin, même peut-être hier déjà, qu'il avait, il avait envie que c'était un match très, tout à fait à leur portée, selon lui. Oui, de toute façon, on a ce sentiment là, que c'est une équipe qui croit en ses valeurs, qui croit en son modèle de jeu, en tout ce qui est mis en place avec eux depuis le début de la saison. Et ouais, et du coup, c'est vrai qu'on est d'autant plus frustré hein, de cet arrêt du championnat, parce qu'on avait envie de la voir évoluer, cette équipe malouine, après ce début de saison un petit peu délicat. Et puis, il faut se rappeler que depuis, depuis les trois derniers matchs avant la crise sanitaire, plus ces matchs de Coupe de France, mais ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de défaite de la part de cette équipe malouine. Effectivement. Donc, c'est une équipe qui est en confiance aussi. Et ce qui n'est pas forcément le cas de Saint-Brieuc, donc il faut voilà, s'appuyer. Plus le temps il va tourner, plus il y a une équipe qui va douter plus que l'autre. Et encore une fois, on l'a vu hein, la semaine dernière, malgré la mainmise qu'ils avaient, Saint-Brieuc, sur ce début de rencontre, ils ont petit à petit commencé, assez étonnamment d'ailleurs, à douter, au moment où Van, finalement, une fois mené, a commencé à prendre un peu confiance. On a vu ces briochins un petit peu déstabilisés, bizarrement. Oui, ouais, ils ont fait preuve d'un peu de fébrilité sur certaines phases et ils ont subi des situations qui auraient pu être plus préjudiciables. La tentative de frappe contrée. Et repoussé, mais ça a changé le schéma. Ce sont les briochins là qui ont reculé clairement. Ouais. Un bloc plus bas, plus compact. Ah bien joué ça, l'appel super, de Léo. Super bien. Les deux lignes là, Melvin sur cette passe. Ah, elle va être courte cette passe malheureusement de Gaël Danic. Attention. Bien joué, Melvin, attention, ça défend en avançant. Mais Melvin, il est omniprésent, Melvin Vira, sur ce début de match. Allez, Landrine Koulou. Ouais, le superbe tacle de Johan Vechter, malheureusement. Non, c'est toujours récupéré par qui, devinez ? Melvin Vira, Eddy Debreu maintenant avec le ballon. Thibaut Sillard. On prend le temps. Ouais, on prend le temps. Là, les briochins vont venir nous chercher, mais il faut. Aller un petit peu plus vite dans les transmissions, ouais, encore une fois. Il faut de la sécurité technique. C'est très bien joué cette remise d'Eddy Debreu. Ah, malheureusement, elle est contrée. La passe de Thibaut, mais ça reste dans le pied-ballon avec Gaël. C'est joueur libre à l'opposé. Il y a du monde à l'opposé. Qui il y a va du retrouver monde. Thibaut Hamel. Thibaut qui va peut-être. Ouais, il cherchait Kevin Gauba. Ouais, ils n'ont pas vu là-bas du côté droit les Malouins, notamment Gaël Dani qui avait. Il y avait. Johan Wechter ouais, tout seul là-bas, Johan Wechter. Le petit jeu combiné entre Eddy et Thibaut, ça a permis d'attirer le bloc sur le côté. Ouais, et voilà, on voit quand on a de la précision technique, ça peut faire la différence tout de suite. La touche pour Léo Yobé. Gaël Danic est souvent trouvé face au jeu. Voilà, ouais, faut qu'il mette en avant. Cette fois, ça... Ah, hors jeu, Johan Vechter. À la lutte avec Vargas Rios. Il va y avoir un beau duel entre ces deux-là, à mon avis. Oui, je pense que c'est deux joueurs qui sont rapides, capables de prendre les espaces, autant offensivement que défensivement. Donc, peut se passer des choses sur ce côté. Et on y arrive tout doucement à cette demi-heure de jeu dont on parlait, cette fameuse première demi-heure tellement appréciée par les joueurs du Stade Briochin, tellement favorable hein, pour eux depuis le début de la saison. Eh bien, pour l'instant, on fait au moins jeu égal avec eux. Enfin, pas au moins, on fait jeu égal. Il n'y a pas vraiment de domination d'un côté ou de l'autre. Un peu d'occasion pour l'instant aucune, à se mettre même sous la dent. Hein, ouais. On a un seul corner pour Saint-Brieuc. Melvin, Gaël Daniki. Ah, et Kevin Costaud. Ouais, c'est récupéré par Melvin Vira. Il faut du soutien, on évite de reculer. On va trouver Jean Hugonnet. Landrine Koulou maintenant. Allez, voilà, on gagne les mètres. On crée le décalage, on avance. Thibaut Sillard qui a un peu d'espace devant lui. Qui va chercher Melvin Vira à côté de lui. Melvin Vira qui va repartir dans la largeur là-bas vers Landrine Koulou. Ah, il avait vu Johan Vechter, il change de. Il a raison, il ne faut pas se précipiter, être sûr de nous, voilà, les faire coulisser.
Ouais, bien joué, la prise de balle de Léo Yobé en retournant. Ah, le petit centre. Non, c'était quoi? C'était. Ah, je sais pas. Je pense qu'il a voulu tenter le lob. Il est pourtant pas très grand, Maxime Patim, enfin quand même. Et puis à 1m82, je crois. Sur sa ligne, c'est quand même compliqué. Ouais, là, je crois que c'était un petit peu présomptueux de la part de Léo. On a vu hein, Léo, Gaël, quand ils sont trouvés entre les lignes. Ils sont très souvent en position de joueur libre et ils ont cette possibilité de jouer vers l'avant. Ouais, et puis on a vu la bonne prise de balle de Léo Yobé, ça fait la différence tout de suite aussi. Hein, ce contrôle orienté tout de suite en se retournant là, Et ben ça tout de suite ça met de la vitesse, ça met dans le bon sens. Ça part d'un bon appel de Johan Wachter qui amène le latéral lui permet de se retourner dans le petit espace. Et Didier Dabreux qui va pouvoir repartir. Ah non, attention, il a vu là-bas. Il dit qu'attend, qu'attire, voilà, pour libérer ensuite Jean. Fixateur. Et on prend le temps du côté malouin de trouver le bon appel, le bon espace. Eddy Debreu qui va pouvoir décaler sur la largeur. Thibaut Sillard. Voilà, une fois encore. Ouais, c'est contré encore. Ouais, mais c'est récupéré encore. On est là hein, sur les deuxièmes ballons du côté malouin. On est à 2-1. On récupère haut là depuis quelques temps. Attention à cette passe. Elle est... Oh oui, attention. Landry qui est pris par Saïd. Saïd qui est parti sur le côté gauche qui va pouvoir frapper. Oh, la belle frappe de Saïd. Cette fois, elle passe largement. Enfin, elle passe au-dessus. Pas largement finalement, mais première frayeur. Et on le disait, il ne faut pas donner des cartouches au briochin. Et puis on le sait en national, la moindre erreur, elle peut payer cash. Et on vient de le voir ici. Ouais, là, ça part de la passe un peu trop appuyée peut-être de Thibaut. Ouais, je pense que Landry aurait pu être un petit peu plus efficace aussi. Et rapide dans sa prise de décision, sa prise d'info. C'est vrai aussi. Il va retenir on sait que les briochins sont là à l'affût, donc attention à ces passes dans l'axe comme ça. Et effectivement aussi, quand c'est le cas, mieux vaut se débarrasser. En tout cas, ne pas garder le ballon dans les pieds. Ouais. Puis la conduite de balle est un petit peu hasardeuse. Heureusement, il s'est un petit peu exporté vers le côté gauche. En tout cas, on voit déjà après une demi-heure de jeu que ce terrain ne va pas être facile au fil des minutes. Parce que les rebonds sont vraiment trompeurs. Ouais, c'est un paramètre qui va être important ce match-là. C'est aussi l'esprit coupe, être combatif. Rien, pas de faute là. Rien à dire sur l'intervention de Landry Nkoulou. Et depuis quelques minutes, ce sont plutôt les joueurs du S Saint-Malo qui ont le ballon et qui font le jeu. Même si, encore une fois, pas d'opportunité réelle à se mettre sous la dent. L'occasion la plus franche, finalement, c'est cette frappe à l'instant là de... C'était Saïd, il me semble. De Saïd, de Rafiki Saïd, ouais. Attention, on se contrôle Melvin, on ressort tranquille pour Nathan Jaworski. Il faut prendre le temps. Et dès qu'on a un joueur entre les lignes, voilà, Kevin qui multiplie les appels pour faire reculer la défense adverse. Puis ça ouvre sur les côtés. Le ballon de Jean Hugonnet qui cherche Thibaut Hamel dans le dos d'Angoua. La remise en une touche, bien joué de la part de Thibaut Hamel pour Galdani qui lui remet le centre en première. Allez, attention de Thibaut Hamel, la tête peut-être non ratée. Allez, faut suivre. C'était un peu haut pour Kevin Goba. Et ça va être 6 mètres sortie de but en faveur du stade briochin. Ouais. C'est dommage, si Léo y croit, je pense qu'il y avait un espace entre le. Ouais, effectivement. Au deuxième poteau. À la chute après cette tentative de tête de Kevin Goba. C'était un peu haut pour Kevin ce centre. Bon centre hein, de Thibaut Hamel, bien tendu, un peu fort peut-être malheureusement. Ouais, suite à un bon jeu combiné avec Galdanik. Ouais, ouais. Sans beaucoup de complicité aujourd'hui entre les deux joueurs. Ouais, et on voit Angoua, il est en difficulté hein, avec ses ballons et ses combinaisons entre les deux joueurs. Il était un peu seul là finalement avec Galdanik et Thibaut Hamel sur son côté. Ouais, beaucoup d'hésitation et. Allez, si on ne gagne pas le premier duel, il faut être présent sur le ballon et c'est ce qu'on fait. Allez, ouais, bien joué cette combinaison entre les deux joueurs. Et un double 1-2. Présent, Gaël, second avec photo, il feuillette. Ce centre, est-ce qu'il n'y a pas une petite main? Ouais, il y a une main. Il y a une carton, main de Kevin Simon. Je pense qu'on va avoir le droit au deuxième carton jaune de cette rencontre. Non, visiblement, pas. Non. Je préfère. C'est pas forcément jugé volontaire de la part de l'arbitre. Mais un coup franc dangereux. Hein. Kevin, ouais, très très dangereux. Ah, si, il rappelle Kevin Simon finalement. Kevin qui est assez coutumier du fait, hein, il nous avait fait ce genre de choses déjà quand il jouait à l'US Saint-Malo. Bon, tant que c'est pas dans la surface, c'est pas trop grave. Carton, le jeu dans la profondeur, c'est pas forcément son point fort. Ouais, tout à fait. Défendre en déséquilibre, c'est un joueur qui aime bien, qui est bon dans les duels, qui est bon dans défendre en avançant. Dans le jeu aérien, mais quand ça court vers son but, c'est plus délicat pour lui d'intervenir et on peut le voir. Une intervention assez étonnante de sa part quand même, ses bras largement écartés là. Et un coup franc dangereux à nouveau, ça va être l'occasion, les coups de pied arrêtés, d'aller mettre le danger sur le but de Maxime Patier. Ouais, très important. Proche du but, fort. On a des joueurs de tête. On a des bons tireurs de coups francs, on l'a dit. Melvin notamment là qui va peut-être frapper ce coup franc. Je pense que ça va être entrant pour un gaucher. Ouais. Ça me semblerait logique. Il y a la totalité des joueurs briochins dans la surface de réparation. Ouais, effectivement.
On préfère ça. Ouais, le centre de Melvin Vieira s'est repoussé. Par Vargas, premier poteau. Ouais, on n'a pas passé le premier rideau là. Et on s'embête pas à côté on de se dégage, ouais, bah, ouais. On voit les gars, ouais. C'est logique cette, ce dégagement. Mais au moins pas de contre du côté Briochin. Et on conserve le ballon du côté de l'US Saint-Malo. Ouais, je pense que les attirer comme on le fait depuis tout à l'heure. Ouais, ça marche pas mal effectivement. C'est une des clés, ouais. Donc on va continuer, on va insister là-dessus. Attention toutefois, pas perdre ses ballons dans cette zone-là. Ouais, le ballon là de Jean Hugonnet qui va revenir directement dans les bras ouais, de Maxime Patier. 33 minutes de jeu déjà, ça passe très très vite. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai, on est dedans. Ça prouve que c'est un match engagé. Ah, petite poussette d'Eddy Debreu, c'est pas signalé par l'arbitre. On a clairement le sentiment que ça va jouer sur des détails. Hein. On voit deux blocs qui sont en place. Il y a peu de longues possessions de la part de chaque équipe. Donc, ça va jouer vraiment sur des. On le disait, hein, ce terrain il pourrait effectivement avoir son importance parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec. Avec Landrine Koulou, la moindre hésitation, un contrôle un peu hasardeux avec le terrain, et ça peut être vite un ballon perdu et un contre mortel. Des faits de jeu. Il faudra être très, 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 très concentré. Ouais, bien joué. J'ai eu peur qu'il tente de la remettre à Jean Hugonnet, mais c'est bien vu de repasser par Nathan Jaworski. Parce que ce diable de Scott Kay est à l'affût devant. Ouais, puis je pense qu'il a la. La consigne d'empêcher Jean Hugonnet de. Ouais, mais là, il se décourage. Scott Kay, on l'a vu là, dans son comportement. Il risque de faire quelques kilomètres. Dans son langage corporel, que le fait de faire le pressing tout seul, ça le fatigue un petit peu. Ouais, Angois, bonne intervention. Allez, il faut intervenir Thibaut. Ouais, c'est super, bonne intervention de Thibaut Sillard. Sans toucher le ballon, il obtient la touche. Allez, Jean, devant lui pour Melvin. Melvin qui va lui remettre. On voit bien toujours Melvin ou. Où Eddy qui vient pour fixer c'est dommage, donc deux joueurs. Ce ballon là. Il y a peut-être moyen de faire mieux. C'est Angois qui récupère ce ballon, qui va trouver Ludo à côté de lui. Ouais, la main cette fois de Thibaut Sillard, qui s'excuse et qui échappe au carton lui de son côté. Et ça communique là, on entend, ça donne beaucoup de consignes sur le terrain. C'est l'avantage hein, des matchs à huis clos. C'est le seul avantage sans doute. C'est vrai qu'on, qu'on entend bien ce qui se passe sur la pelouse. Ouais, ils ont gagné 2-3 mètres hein, les Briochins. Bon, c'est pas bien méchant, c'est le jeu aussi. C'est Vargas qui va prendre ça, gaucher. Attention à ce premier coup franc, cette fois en faveur du stade Briochin. Ils ont été assez forts contre Vannes sur ces phases de jeu. Bien joué Kevin. Bien joué de Kevin Goba qui dégage ce ballon. Il faut empêcher de rejouer vers l'avant, il faut les obliger à reculer. Reformer le bloc. Ouais, c'est bien joué. Bon travail, c'est bien joué. Voilà. Très, très bien joué de la part du bloc malouin. C'est des courses de 10 mètres de la haute intensité de la part de Melvin et Johan Wester, mais qui permettent à tout le bloc derrière de se reformer. Ouais, ça fait la différence. Primordiales, ouais. On hésite et on commence à jouer long du côté de Saint-Brieuc. Oui, ça y est. Attention, oui, il fait peur Landry. C'est qu'il est sûr de lui. Ouais, bien joué. Et qui trouve Kevin Goba. La bonne prise de balle de Kevin Goba qui laisse le ballon à Léo Yobé. Léo Yobé, ah non, c'est un peu précipité de la part de Léo Yobé, mais ça va revenir dans les pieds de Johan Wester avec Léo Yobé à nouveau. Il faut ressortir de là, il y a du monde. Landry, bien joué Landry, ce petit crochet, il va obtenir le coup franc. Très bien vu de la part de Landry Nkoulou. Ouais, il y avait du monde, beaucoup de joueurs briochins côté droit. Et c'est joué vite par Melvin Vieira. C'est pas signalé par l'arbitre assistant. Cette petite main là dans le visage de Johan Wester de la part de Vargas Rios. D'autres arbitres l'auraient signalé peut-être, mais pas. Ah, il était un petit peu loin, donc peut-être que. Ouais, je parlais de l'assistant en l'occurrence. Ah oui, effectivement. Juste à côté pour le coup. C'est vrai. Et on reparlons. C'est des signes forts ça, le gardien qui reparlons alors qu'il jouait court depuis le début du match. Donc. Depuis le début du match, et puis c'est dans leur gêne, hein, effectivement, au Briochin d'essayer de les relances courtes. On voit quand même là, au fil des minutes, là, les deux blocs qui essaient de ne pas perdre terrain. Bien joué, Eddy. Allez, il faut que ça les paye. Les uns sur les autres. Ça fait trois joueurs d'éliminer, il faut que ça paye derrière. Ouais, bien super, joué. Bien allez, il y a un décalage. Il y a un 2 contre 2 dans la surface, là. Il faut être bon. Faut allez, qu'il y en a qui le bon centre pour Kevin Goba, dommage. C'est bonne intervention de Maxime Patier. C'était un bon centre de la part de Yann Wester, un peu trop sur Maxime Patier, malheureusement. Et ça relance vite. Attention. Parce qu'ils attendent que ça, les Briochins, de repartir rapidement comme ça. Oh là là, ouais, le gros coup sur Gaël Danick, mais il y a avantage. Laissé par monsieur l'arbitre avec Thibaut Sillard qui va pouvoir. Attention, c'est Thibaut, pas précis. Qualité. Ah, ça lui arrive de temps en temps à Thibaut Sillard, des passes un peu faciles comme ça.
Oui, il fait alors, plus dur avant. Là, le tacle, enfin c'est pas un tacle hein, d'ailleurs, c'est le prolongement d'une passe entre guillemets de Angoisse sur la cheville de Gaël Danick. Il y a un petit excès d'engagement. Gaël qui a l'air d'avoir. Ouais, qui a l'air d'avoir mal. Bah, je pense qu'il l'a senti passer, hein, parce que c'est pas le genre Gaël trop à rester au sol. Et Benjamin Angoisse qui vient s'excuser. Ouais. Ouais, alors beaucoup d'engagement, on le connaît, hein, Benjamin Angoisse, c'est son style. Là, je pense pas du tout, enfin, à mon sens, hein, sur la, vu l'action, qu'il y ait une volonté de sa part d'aller mettre un coup à Gaël Danick. Mais beaucoup d'engagement de sa part. Ouais, marque son territoire. Oh là, oh là là. Ouh là là, la mésentente du côté Mayochin, ça va revenir dans les pieds. Ah, Gaël Danick qui fait signe à l'arbitre assistant de son côté en lui demandant s'il a bien vu ce qu'avait fait Benjamin Angoisse. Ouais. Expérience hein, de Gaël Danick. Allez, une touche, beaucoup de densité là, beaucoup de joueurs côté ballon à chaque fois à Saint-Brieuc. Ouais, et puis bien de, deux blocs, hein, je l'allais le dire tout à l'heure, hein, qui sont. Enfin, vraiment, on a l'impression que ça se resserre de plus en plus au milieu. Ouais. Et sur ces ballons-là, là, il faut être vite présent. La fatigue aussi hein, qui va commencer à apparaître. Ah, le tacle là sur Kevin Gobat. Non, le ballon, d'après monsieur l'arbitre, ah, sur ce tacle de Boudin. Ça me semblait réglementaire hein, comme intervention. Ouais. Allez, on faut gagner ces ballons-là. Oh, attention, attention à cette, ballon gagné par Maël Ilien. Transmis à Kay. Ouais, qui remet là, qu'on remet sur le côté gauche pour Saïd. Le centre un peu trop long, heureusement. Allez, Thibaut Hamel qui va être le premier Thibaut, sur ce ballon. Ouais. Et qui trouve Gaël Danick, attention dans son dos. Super, bien joué de la part de Gaël Danick. Il avait senti que ça arrivait derrière lui. Et puis ça fait gagner le temps. Et c'est revenu dans les pieds. Oui, tout à fait. Et c'est, ouais, effectivement, parce qu'on était un peu isolé devant Gaël Danick. Ouais, c'est bien joué de la part des Malouins. Ah, c'est court cette remise de Thibaut Hamel, malheureusement. Attention, à ne pas rentrer dans le jeu non plus, hein, des briochins et d'aller trop se précipiter. Ouais, nous, c'est la même chose. Jean qui se précipite. Je pense qu'il avait le temps de garder le ballon. Parce que ça, finalement, ça va leur plaire aux briochins si le match s'emballe un petit peu. Et si les espaces se libèrent. C'est fermé, hein. Ouais, c'est très fermé pour l'instant. Et c'est deux équipes qui sont très, très sérieuses, qui respectent clairement les consignes. Ouais, Gaël qui a voulu. Ça va être plus compliqué dans ce sens-là. Hein. Je pense qu'il aura d'autres armes, Gaël, qu'il faudra mettre en avant plutôt que celle-ci. C'est David contre Goliath, un petit peu. Ouais. Et c'était David qui avait gagné. Ouais, c'est vrai. Une bonne intervention du Henri Acheter. Attention, ça vient dans l'intérieur, le centre en première intention. Et ça va être un nouveau corner, le deuxième pour le Stade Briochin. C'est presque dommage hein, sur une action anodine ou presque. Ouais, ça aurait pu être mieux géré si on avait communiqué. Et le corner qui va être tiré par Rafiki Saïd, hein, qui prend ses responsabilités, le jeune Brestois, enfin le jeune joueur du Stade Brest, formé, prêté pardon, par le Stade Brestois. Ouais, attention, on joue à deux, là, on est attentiste. Ouais, bien joué. Ok. Allez, il faut le laisser de haut. Allez, Thibaut qui est passé là-bas, côté droit. Ah, il est passé, Thibaut. Attention, pas de faute, surtout dans cette zone. Ouais, bien défendu collectivement de la part des Manois. Mais attention, c'est pas terminé. Le centre, ça va arriver dans la surface, ça. Ou ça arrive jusqu'à Kevin Simon qui a voulu loger ce ballon. Attention, c'est gaucher. Oh, il y a maintenant, il est contré. Gaucher. C'est un peu la panique dans la défense malouine. Attention à. Oh là là, c'est à nouveau passé. À nouveau ce ballon contré. Oh là là, ça a été. Quel cafouillage. Panique. Cafouillage et panique à bord dans la surface malouine. Et ce ballon qui revenait sans cesse dans les pieds briochins. Et finalement, c'est Saïd qui, en dernier ressort. Tente une frappe contrée, heureusement. Ouais, il y a eu 3 ou 4 positions de frappe, là, crucial. Kevin Simon, notamment, là, qui a bien voulu jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers, ou à son ancien club, en tout cas. Ouais, et ça partait des anciens coéquipiers, il n'y en a pas beaucoup. Le corner, attention. Faut y aller cette fois, poteau. L'intervention de Kevin Simon. Mais oh, c'est gentil. Oui, c'est un petit peu appuyé sur Eddy Debreu. Ouais. Bon, en tout Kevin cas, Simon. Ça nous va bien. Ça va permettre à Nathan Jaworski de dégager et au bloc malouin de s'aérer un petit peu. Ouais, c'était chaud là, hein. Ça a duré une minute, c'était intense. On s'en sort bien. On s'en sort, et c'est bien le principal. Et on fait le choix de jouer long. C'est bien hein, aussi, hein, je pense, hein, Brian, d'alterner. À la fois, c'est vrai qu'on essaie de jouer court toujours, en combinaison, comme on le voit beaucoup depuis le début de la rencontre, mais alterner aussi un petit peu, jeu long, jeu court, même si on sait qu'au milieu de terrain, il y a des. C'est compliqué dans les duels aériens notamment pour nous, mais ouais, faut aller chercher plus du jeu long sur les côtés et puis voilà, on rentre dans les 5 dernières minutes, on est à la 42e minute ouais, de jeu. Attention, c'est des moments importants du match. Donc faut être costaud. Ouais, bien joué Eddy Debreu.
Ça revient quand même dans les pieds briochins, mais cette fois c'est encore des Debreux qui vient contrer ce ballon. Ouais, et puis c'est un Brieux qui remet le pied sur le ballon. Ouais, 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 effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatigue aussi côté malouin? Ça va aller voir à l'opposé. Angoua là qui va être. Oh là là, ce ballon complètement raté de la part de Boudin. Tant mieux pour nous. Alors désolé hein, pour les briochins qui nous regardent, on est un petit peu partie prenante, hein, on est mal loin, donc on essaie d'être objectif, mais on est quand même un petit peu supporter, vous nous pardonnerez j'espère. Thibaut Sillard qui joue long sur Kevin Gobat, la lutte avec bien Boudin. Bien joué Kevin, ah, Kevin, bien imposé, ouais, ouais, et bien ça fait gagner 40 mètres. Et ouais, mais il lui rend quelques centimètres aussi hein, à Boudin, donc c'est vrai que sur ces ballons, longs ballons sur Boudin, Kevin il a quelque chose à jouer peut-être. Oui, effectivement. La touche de Benjamin Angoua sur Scott Kay. Ouais, bien joué ça encore. Et Melvin Vira. Qui préfère temporiser. Ouais, il a raison. Et Melvin, on arrive quasiment au terme de cette première période. Oh, Thibaut, il pouvait garder ce ballon, il était seul. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, Thibaut, là, mais il a voulu dévier pour Gaël Danick, mais c'est complètement raté, malheureusement. Et effectivement, il avait possibilité de garder ce ballon. Ouais, il a voulu surprendre, mais ça n'a pas fonctionné. Allez, il faut maintenant surtout sécuriser et pas aller se mettre en danger dans les dernières secondes de cette première période. Il y aura très peu de temps additionnel a priori. Oui, peu de temps d'arrêt. Voire pas d'arrêt. De temps additionnel d'ailleurs. L'intervention d'Eddy, il est là, Eddy, hein, physiquement. Qu'est-ce qu'il est précieux, Eddy Debreu. Ouais, un joueur très, très complémentaire avec Melvin. Ouais, effectivement. Allez, il est trouvé intérieur, ça. Allez, c'est Melvin, un bon ballon. Justement avec le ballon, Melvin qui efface son vis-à-vis, qui cherche une solution, qui va être obligé de ressortir sur le côté droit là-bas. C'est dommage qu'il y avait un temps d'avance. Et... Ouais, ouais. Et pas de solution vraiment pour Melvin. On essaie de le retrouver, ce ballon est perdu malheureusement. Ce ballon de... Il faut faire les efforts, il faut les chercher. Allez, l'intervention. Jean, il faut être le premier, bien joué. C'était Jean. Très importante cette intervention de Jean Hugonnet à 10 secondes de la fin de la première période, ou en tout cas du temps réglementaire. Ça joue dans les airs, le ballon est sorti et une minute de temps additionnel. Et le ballon qui va être en faveur de l'US Saint-Malo avec un coup franc, une faute sur Landry Nkoulou. Pourquoi pas essayer d'aller mettre ce ballon Ah non, c'est une touche finalement. Non, c'est un coup franc, c'est bien un coup franc. Non, c'est une touche. Bon, voilà. Il n'y a ça, plus de rythme, on voit bien qu'on attend tranquillement la mi-temps, les deux équipes, je pense que ça rassure tout le monde de revenir à 0-0. Le ballon n'est pas en jeu depuis l'annonce du temps additionnel, ça fait déjà 30 secondes. Oui, c'est vrai. La touche pour Kevin qui bataille. Ouais, attends, il y a intérieur. Est-ce que c'est contré? Attention, ah, à passe livrée. Le raté là de la part des briochins avec Thibaut Hamel. Thibaut Hamel qui va peut-être essayer de retrouver. Ouais, il est très très rapide aussi la vigne. Ça passe pour mais Thibaut Hamel. Ouais, bonne intervention de Benjamin Angoua. Ouais. Et voilà, à peine une minute de temps additionnel et déjà la mi-temps entre l'US Saint-Malo. Et le stade briochin avec ce score de 2-0 à 0 entre les deux équipes et une vraie bataille, un vrai match de Coupe de France, Brian. Oui, oui, un match fermé avec deux équipes structurées qui se livrent peu. Et on a vu pas beaucoup d'occasions de la part des équipes. Une belle frappe du jeune Saïdi sur le côté tout à l'heure sur une perte de balle malouine. On voit bien que le moindre fait de jeu, la moindre erreur, elle peut être cruciale. Donc il faut être très très vigilant sur ces points-là. Mais un match très fermé dans l'ensemble. On a senti peut-être un petit peu de fatigue les Malouins, bon, peut-être un peu des deux côtés, mais on a senti que Saint-Brieuc revenait un petit peu dans la partie alors qu'on avait un peu on dominait un petit peu le troisième quart d'heure de la première période. On a senti les Malouins baisser le pied un petit peu dans les 5-6 dernières minutes là. Oui, je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on regarde le match, mais le fait d'être très structuré, de sortir sur les temps de passe, de bien coulisser et d'avoir des temps de possession longs, bah, ça, automatiquement ça fatigue aussi. Donc c'est évident que c'est compliqué de garder du rythme, de garder un gros tempo jusqu'à la fin de la mi-temps. Donc il y a beaucoup de concentration aussi depuis le début de la part des deux équipes, mais c'est vrai que de nos Malouins aussi, et c'est ça aussi, ça fatigue effectivement. Ça fatigue. Alors plutôt une bonne première mi-temps, on va dire, de la part de l'US Saint-Malo. Un match très fermé pour l'instant, très peu d'occasions, si ce n'est effectivement cette frappe de loin de Saïd sur une perte de balle malouine. Mais en dehors de ça, les deux gardiens ont passé une mi-temps assez tranquille. Oui, pour l'instant,
Ils ont eu peu d'interventions à faire. Il y a eu un cafouillage aussi qui était important de la part de. Mais ça partait d'un coup de pied arrêté qui était donné un peu inutilement de la part de Melvin Vira. L'autre action, c'était une perte de balle un peu anodine au départ sur un ballon anodin de Landrine Koulou. Donc on se rend compte que bah, voilà, la moindre erreur, elle peut payer cash. Donc il faut être vigilant. Il va falloir rester concentré en deuxième période qu'on l'a été en première mi-temps et puis jouer les coups à fond, essayer d'aller mettre ce petit but. En tout cas, pour l'instant, les Malouins font le boulot. 0-0. On se retrouve d'ici un tout petit quart d'heure pour la deuxième période. A tout à l'heure. A tout à l'heure.
sur vous en fait, on va partir maintenant direct avec du terrain et on va prendre le terrain.
Retour au stade de Marville de Saint-Malo pour cette deuxième période entre l'US Saint-Malo et le stade Briochin. Dans ce huitième tour de Coupe de France, si vous nous rejoignez, toujours ce score s'est affiché à l'écran de 0-0 entre l'US Saint-Malo et le stade Briochin. Première période, Brian, fermée, sérieuse de la part des deux équipes finalement. Ouais, comme on l'a dit, deux équipes structurées. Je pense que la peur de se déséquilibrer sur les phases offensives, on attaque à 3-4 maximum, donc automatiquement derrière... Hop, excusez-nous, petit souci technique, je ne sais pas si on m'a entendu, c'était voilà, deux équipes structurées qui comme on sent qu'il y a une peur de se déséquilibrer ou quoi que ce soit, donc c'est un match assez fermé automatiquement. Il va bien falloir faire la décision parce que cette année, pas de prolongation en Coupe de France, on passe directement au tir au but, donc à savoir si, je ne sais pas si c'est un avantage ou pas pour l'une ou l'autre des équipes d'aller jusque-là, mais ça reste toujours malgré, on est toujours c'est un peu la loterie, c'est pas vraiment ça quand même, parce qu'il y a une partie technique dans les tirs au but et puis des gardiens qui font la décision aussi. Malgré tout, par exemple, je pense pas que le Stade Briochin ait intérêt d'aller jusqu'au tir au but, quoi. Non, non. Et puis, bah voilà, comme je l'ai dit, peut-être le souvenir de la saison dernière qui reste dans les têtes des joueurs. Donc ça, voilà, la moindre dans des matchs aussi fermés, on voit bien que la moindre petite chose peut faire cogiter, peut faire réfléchir. Et voilà, on espère en tout cas que ça puisse les travailler un petit peu. Il faut surtout pour l'US Saint-Malo, si jamais une opportunité se présente, parce que pour l'instant, ça n'a pas été trop le cas. Il va falloir être très réaliste aussi. Hein. Ouais, il y a eu peu de séquences dans la surface de Maxime Pathier. Mais on voit pourtant que sur Léo qui a tenté un lob un peu présomptueux, il y a eu un centre-tir au bout de 2 minutes de jeu, il y a eu un bon centre de Johan Wachter aussi en première mi-temps. Il y a des situations maintenant. Des situations, pas vraiment d'occasion pour l'instant. Et c'est parti pour cette deuxième période entre l'US Saint-Malo. Et le Stade Briochin va mettre ce ballon directement en touche de la part de Kevin Goba pour aller mettre tout de suite, essayer en tout cas d'aller mettre sous pression cette équipe briochine. Ouais, les forcer à jouer dans leur camp tout de suite, être présent. Et surtout pas de saute de concentration dans ces premières minutes parce que Saint-Brieuc va sûrement vouloir repartir comme il l'avait fait en première période. Et où ils nous avaient mis un petit peu, non pas en difficulté, mais en tout cas ils avaient plutôt la possession et la main mise sur le ballon. Sur les 15 premières minutes, c'est eux qui donnaient le rythme à ce match. Donc essayer de... l'intervention superbe, le contrôle magnifique de Johan Wachter qui va pouvoir décaler Léo Yobé qui va arriver le premier sur ce ballon. Le centre de Léo Yobé en première attention. Ah, c'était un retrait pour Johan Wachter. Il y avait Kevin Goba qui était pas mal placé aussi. C'est dommage. Ouais, c'est dommage de ne pas mettre ses ballons dans les pieds. Et Hugo Vargas qui reste au sol suite à ce contact avec Johan Wachter. C'était pas volontaire. Gros contact entre les deux joueurs. Il est allé de bon cœur, Vargas Rios. Il a l'air d'avoir mal au dos, on appelle les soigneurs. Et alors par contre, Johan Wachter, il n'est pas épais, mais il n'a pas bougé d'un pouce. Il a fait son contrôle, il s'est occupé de rien d'autre. Ouais. Et pourtant, il y avait un gros contact, hein, mais lui, il n'a pas bronché. Ça aurait pu être décisif, il y a eu un bon décalage qui a été fait. Léo, s'il y avait un peu plus de justesse dans le dernier geste. Mais il y avait Kevin, qui était. Alors il a voulu mettre en retrait, ce n'était pas une mauvaise idée dans l'intention, mais Kevin était quand même pas mal placé aussi. Oui, il s'est projeté premier poteau. Allez, Vargas Rios au sol, Hugo Vargas Rios. Je pense, alors qu'on voit des joueurs du Saint-Brieuc qui partent à l'échauffement. Ouais, on a vu aussi à la mi-temps des joueurs de l'US Saint-Malo, notamment Zakaria Vdaouche s'est chauffé, Tommy Iva aussi. Gwen Foulon, les trois buteurs de la semaine dernière. Ça aussi, c'est des cartes à jouer. Et un banc intéressant du côté de la. Ouais, de toute façon, franchement, on a un groupe solide et un groupe homogène du côté de l'US Saint-Malo. Et quand le groupe est complet, comme c'est le cas, par l'absence de Valentin Mirou, Fabien Pujol, finalement, il a quelque part presque l'embarras du choix pour faire une belle formation comme aujourd'hui. Sur les deux derniers matchs, on marque 4 buts, c'est je crois 8 buteurs différents. Ouais. Donc ça prouve que voilà, tout le monde est au niveau, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt, concerné. Bien joué, ce concerné. Pressing là, de Léo Yobé qui a obligé à Maxime Paty à dégager. Attention, Thibaut, et ça vient vite. Il vient sauver le ballon. Il s'en sort bien, Thibaut. Il trouve Kevin. Aïe, 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 ce ballon perdu là-bas par Gaël Danick finalement. Ouf, on va pas s'appuyer de Thibaut Hamel, mais sans problème. Ça va être pour Nathan Jaworski qui va. Ouh là là, le jeu au pied de Nathan Jaworski. Ouais, c'est un petit peu brouillon tout ça. Ils sont à deux Landry. Il va y avoir une petite attention touche. À ça. Non, ouais. Une touche. Ça va être une touche en faveur du Stade de l'US Saint-Malo. Ouais, à partir du moment où il n'y a pas faute selon monsieur l'arbitre, effectivement. Landry Nkoulou, il n'a pas touché le ballon. Ouais, je pense que c'est un peu gentil de la part de l'arbitre. Je pense aussi. Il a été musclé l'intervention là. On était à deux contre un, donc il n'y avait pas forcément d'intérêt à faire une faute ici.
mais bon, il n'y a pas faute, voilà. Figure-toi. Selon moi, c'est bien. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait quand même une petite charge hein, de la part de André Nkoulou. C'est pas signalé. Kevin Gobat qui dévisse ballon. Allez, on va mettre pression pour empêcher. Ouais, voilà. Et là, comme en début, attention à ce ballon. C'est signalé hors jeu. Ouais, c'est hors jeu. J'avais les yeux sur l'écran. J'avais pas vu l'arbitre lever le drapeau. Comme on reprend le même schéma un petit peu hein, qu'en première période, avec Saint-Brieuc qui tente de nous mettre une petite pression. Ouais, de jouer haut. Dans le dos. Allez, ça repartira. Nathan dans la surface, comme l'indique l'arbitre. Sans grogner. Ouais, le jeu au pied de Nathan là sur sa relance tout à l'heure. Bon, il était un peu. Ouais, c'était moyen, on va dire. Allez, le dégagement de Nathan Jaworski. On cherche Kevin Gobat. C'est Bludo qui prend ce ballon. C'est engagé, hein, c'est ouais, bon dans les duels aériens. Ouais. Hein. Je crois qu'il gagne quasiment tous ses duels. Ouais, ouais, faut pas jouer là, sur c'est lui. C'est lancé proche de la surface. Bonne intervention de Thibaut. Super intervention de Jean Hugonnet. Allez, il faut se replacer, les autres, on en profite. Allez, oh là, il est passé, ça va être Thibaut Sillard à la lutte. Il va être passé aussi Thibaut Sillard, il va y avoir coup franc. Ouais, logiquement. Il va y avoir coup franc, logique. C'est des mains. Cette faute sur Saïd, qui reprend comme il avait débuté le match. Saïd, assez intenable sur son côté gauche, rapide, vif. Qualité de dribble et de percussion, hein, on sent bien, c'est hyper dynamique sur les premiers appuis. Ouais, ouais. Il s'est un peu éteint, hein, comme un peu à l'image de son équipe finalement, au fil de la première période. Et là, il revient. Mais il a pris une béquille, ça va le freiner un peu. Il s'est fait un petit peu mal pendant ce contact, on fait appel au soigneur. Ouais, Saïd, il a effacé Eddy Debrun dans le premier temps, il allait effacer en tout cas Thibaut Sillard. Ouais, on voit bien sur 3 mètres, là, faut pas lui laisser grand-chose hein, avant qu'il soit dangereux. Capable de percuter très rapidement sur son côté. Par contre, faut qu'il sorte Saïd s'il veut se faire sortir. Voilà, c'est fait, il est en dehors des limites du terrain. Premier coup de pied arrêté de la deuxième mi-temps. Faut être costaud. Lilien qui va tirer ce coup franc. Ouais, surtout être présent sur ce coup de pied arrêté. On l'a vu hein, notamment contre Vannes. C'est un de leurs points forts au Briochin. Pardon. C'est tiré par un gaucher, Hugo Vargas. Attention, c'est repoussé tant bien que mal. Alors, on tentait le grand pont du côté de Yann Vacheter. Mais au moins, le ballon est dégagé. C'est déjà première satisfaction. Ça va revenir vite, ceci dit. Il est isolé avec là, Kay qui a de l'espace pour centrer. La bonne intervention sans problème de Nathan Jaworski qui peut relancer vite pour une fois avec Gaël Danik qui est passé sur le côté droit. Gaël Danik qui va effacer. Ouh, la grosse faute. La faute, ouais. Et la faute de Vargas Rios. Ouais. Et l'expérience aussi de Gaël Danik. Mais pas de dangerosité, mais on sentait qu'il était dépassé. Et ils rigolent, hein, ils en rigolent tous les deux. Oui, ça a été bien joué, je pense, de la part de Gaël Danik, pardon. Mais bon, il y a faute, c'est indiscutable. Il était passé Gaël Danik. Il est carton jaune pour Hugo Vargas Rios, le troisième de cette partie. Après Kevin Simon également pour le Stade Briochin et Thibaut Hamel au tout début de la rencontre tout à l'heure pour l'US Saint-Malo. Ouais, le côté gauche de la défense briochine qui est sous le coup d'un carton jaune. La frappe en première intention là, de Gaël Danik, c'était bien tenté. Et première frappe cadrée de la rencontre. Elle est en faveur de l'US Saint-Malo. Attention, ça repart vite. On a l'air d'être reparti sur un autre rythme là dans cette deuxième période pour l'instant. On va chercher vers l'avant beaucoup plus rapidement. Allez, ça c'est un ballon un peu difficile. Rios, là. La bonne prise de balle de Vargas Rios qui est pris par Gaël Danik. Ouais, il y a faute. Il y a faute de Gaël, en tout cas, selon monsieur l'arbitre. Et on a permuté entre Gaël Danik et Léo Yobé. Gaël Danik qui joue à droite pour le moment. Ouais, mettre les joueurs sur un faux pied, ça peut surprendre l'adversaire. Ouais, c'est le cas hein, pour Saint-Brieuc, notamment sur le. Ah bah non, parce que j'étais resté sur le match de la semaine dernière. Peut-être dans le but de provoquer, de rechercher le 1 contre 1 avec Kevin Simon. Et maintenant que les deux sont invertis, c'est des paramètres à prendre en compte. C'est vrai. Le ballon dans les pieds des Briochins avec Kevin Simon, justement. On occupe bien la largeur pour Vargas Rios, la combinaison avec Saïd. Et on cherche Kay, la remise pour Vargas Rios qui va écarter. C'est bien joué, c'était bien joué de la part des Briochins. Un bon jeu combiné. Ouais, la mauvaise passe de Vargas Rios finalement. Et ça sort directement en touche, mais une touche. Proche de notre camp. Ouais, jamais. Jamais facile, ouais. Jamais facile, toujours un peu stressant ces touches là. On gagne quelques centimètres, quelques mètres. La part de Johan Vechter, il trouve. Oula, ouais, c'est raté, ce dégagement de Melvin Vieira. Mais je pense que si on prend les statistiques des touches à cet endroit-là, dans le football. Ouais, effectivement. C'est jamais confortable. Rendu à l'adversaire. Jamais confortable. Ouais, bonne intervention d'Eddy Debreu. C'est récupéré en deux temps par les Malouins.
Mais oui, Eddie Debrue qui récupère ce ballon, qui a bien joué avec son corps. Qui peut garder Kevin, bel extérieur, pour trouver Kevin Gauba. Ah, il a pas réussi à garder ce ballon, Kevin Gauba, malheureusement. Il suit, fais reculer. Et voilà, voilà, le bon pressing Gaël. De Gaël Danick. Faire reculer un petit peu ces briochins, encore une fois, hein, c'est vraiment le même schéma qu'en début de première période, avec des briochins qui reviennent avec d'autres intentions. Ils s'étaient un peu éteints au fil de la première période, ils reviennent pour essayer d'aller faire la différence. Oui, un peu plus d'engagement, on sent plus de rythme aussi. Ouais. On sent une différence. Ouais, et puis ben, on a vu hein, les Malouins qui peuvent aussi partir, enfin en tout cas jouer plus rapidement verticalement avec cette frappe tout à l'heure de Gaël Danick notamment. Ouais. Première véritable, on va dire, opportunité pour les Malouins d'aller chercher le cadre briochin. Allez, il faut essayer de faire remonter un petit peu ce bloc là. Il y a une faute de Kevin Gauba. Ouais, quand on est face à des blocs bien en place, bah, il faut, voilà, il y a le talent du joueur aussi qui rentre en jeu, ouais. Savoir surprendre l'adversaire. En tout cas, les Vannetais, ils ont retenu hein, les leçons de la semaine dernière, là où ils avaient concédé énormément d'occasions face à Vannes. Finalement, là, c'est ouais, ils sont mieux en beaucoup place moins aujourd'hui. Le cas. Ouais. Peut-être qu'on se découvre un petit peu moins que Vannes aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et on n'est pas mené, donc, parce que Vannes a été mené très rapidement aussi. Ouais, donc ça force à se découvrir. Et ça bien, on va aller chercher jouer, allez, ça, Kevin, d'aller faire jouer Maxime Patier, mais très, très sûr, le gardien de Saint-Brieuc, bien joué, sans paniquer. La une passe seconde. Extérieure. Ah, le beau duel là entre Jean Hugonnet et Scott Kiaï. C'est Kiaï finalement qui récupère ce ballon, qui va trouver, ouais. Non, qui va chercher. Heureusement qu'il la joue pas en première intention, ouais, puis, hein, parce qu'il avait un temps d'avance, Maëlilien. Ouais, c'est vrai. Et puis on a l'impression que Kiaï il est un peu hésité entre le ballon sur Maëlilien ou sur la vigne. Ouais. Un peu entre les deux ce ballon. Allez, on va pouvoir se relancer côté Malouin alors que le ciel s'éclaircit un petit peu. Je pense qu'on n'aura pas de pluie. Ouais, tant mieux, parce que là vraiment le terrain va beaucoup souffrir, hein, on le savait. Mais on se précipite un petit peu. Thibaut, pardon, c'est précipite. Pour toi. Voilà, Thibaut Hamel. Allez, le jeu à Melvin 3. Pour Léo Yobé, s'il peut la toucher. Ouais, bien joué de la part de. Bien défendu, hein, de la part de Boudin. Dommage, hein, il avait pris ce ballon, Léo Yobé, s'il avait pu se l'emmener. Et ce sera une touche pour Benjamin Angoua. Sur la ligne médiane. Et le ballon, ouais, beaucoup maîtrisé pour l'instant par les briochins dans ce début de deuxième période. Un peu plus en difficulté les Malouins, même si pour l'instant, on ne concède pas vraiment d'occasion. Mais attention, à force de subir. Ah, ouais, il est pris dans le dos, Thibaut Hamel. Ouais. Ouais, ça va être trop long ce ballon malgré tout pour. Très explosif aussi comme joueur. On l'a peu vu en première mi-temps. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Hein. C'est un élément fort. Qui a pu évoluer au plus haut niveau, performer au plus haut niveau aussi. Du côté du FC Lorient. Beaucoup de joueurs hein, de Saint-Brieuc qui sont passés par Lorient, par Concarneau aussi. Ouais, bah c'est son grand d'ailleurs, il avait signé à Concarneau après avoir quitté Lorient. Kevin Simon qui va rechercher à nouveau la vigne et Thibaut qui est pris à nouveau. Attention. Ouais, mauvaise lecture. Attention à ce centre. Ouais, bien repoussé heureusement dans un premier temps. Faut se parler, faut surtout sécuriser ce ballon là. C'est perdu, mais c'est repoussé un petit peu. Angoua va pouvoir retrouver la vigne. On ressort Angoua à nouveau, qui va revenir derrière pour Bludo. Bludo qui, oh, ça joue. Attention, il va être le premier sur le ballon, heureusement. Bonne intervention. Allez, c'est un ballon important, Hugonnet. Là. Allez, ouais, il a vu Gaël Danick là-bas sur le côté, Léo Yobé. Un 2 contre 2, il faut garder la vitesse. Garde la vitesse, Boudin. Allez, mon petit. Non, il va être obligé de revenir, Léo. Il ne va pas au duel avec Boudin. Ouais, non, il a hésité à mettre sur le côté. Ouais, bien joué, bien conservé à ça. Non, si, c'est bon, c'est pour Léo Yobé qui va pouvoir centrer. Il est en bout de course. Et le corner en faveur de l'US Saint-Malo. Étonnante cette action, on n'avait pas l'impression qu'il y avait beaucoup de rythme, mais pourtant. Ouais, c'est surprenant, ouais. Il a été au bout. Surprenant, et puis presque téléphoné finalement, ce 1-2, et c'est passé. C'était étonnant. Mais ça donne premier corner pour Saint-Malo. C'est le premier de la partie. En faveur des Diables Noirs. Alors, on nous a expliqué tout à l'heure que les élèves du lycée à côté regardaient le match dans leur classe. Désolé pour les professeurs. Bah, faire ce choix, je crois que j'aurais fait le même choix à leur âge, hein, malheureusement. Allez, le corner de Gaël Danick. Allez, il faut y aller. Kevin, il est un peu court, Kevin, malheureusement. Allez, Melvin, ça revient sur Melvin, tu vas pouvoir frapper. Il cherchait pas à enrouler. Ouais, ça manquait un peu de puissance, cette frappe, mais c'est la deuxième frappe cadrée quand même en faveur de l'US Saint-Malo, la deuxième frappe cadrée du match même. Ouais, en retrait, il était isolé, hein, il aurait pu appuyer un petit peu plus. Ouais, on a senti qu'il allait chercher à enrouler dans la lucarne, Melvin, malheureusement. Un peu trop sur Maxime Patier, pas inquiété sur cette frappe.
Mais, deuxième opportunité, deuxième possibilité, alors qu'on n'en avait eu quasiment aucune en première période. On relance à 3 côté briochin avec Bludo qui vient se situer entre les deux centraux. Automatiquement, les excentrés, bah oui, on le voit, ils rentrent à l'intérieur. Oui. Les latéraux deviennent pistons. Ça libère des espaces, forcément. On est quasiment sur un 3-4-3. Et là, ça va dézonner, donc il faut beaucoup communiquer sur ces phases-là. Mais à la perte de balle, ça peut être dangereux automatiquement. Il est un peu long ce ballon. Ouais, le gros tacle hein, de Kevin Simon, bien c'est joué. C'est autoritaire. Hein. Ouais, bien joué, l'expérience de Melvin Vira qui obtient cette touche. Ça s'emballe un petit peu et les quelques privilégiés membres de l'US Saint-Malo qui sont dirigeants, qui sont dans les tribunes, il n'y en a pas beaucoup, mais ils font un peu de bruit. Et puis ça fait deux fois où à la récupération du ballon, on trouve toujours tout de suite du jeu vers l'avant avec Léo Yobé. Et puis ouais, on arrive à cette touche là sur Dani qui va essayer d'écarter sur Léo Yobé. Il y est, Vargas. Hey, il prend ce ballon Vargas, il va pouvoir dégager Kevin Simon du coup. Ouais, qui vient errer un petit peu. Qui va, ouais, très sûr, l'intervention de bien joué de Landry Nkoulou. Ouais, très très bien joué de la part des Malouins cette récupération. Ouais. Est-ce qu'on va voir comment en première mi-temps les tendances s'inverser et les Malouins reprendre le ballon? En tout cas, c'est le type d'intervention qui permet de garder la pression. Faut pas trop courir. Ouais, faut pas reculer du coup. Ouais. Ah, ça va être compliqué ce ballon pour Thibaut Hamel. Ouais, c'est trop long. Sur son mauvais pied. On reste haut. Comme le demande Fabien Pujot, serre, on l'entend. Volonté d'aller chercher haut l'adversaire. Ouais, effectivement, parce qu'on avait été un peu contraint à reculer un petit peu là, dans ce début de deuxième période, pendant ce premier quart d'heure. Il faut essayer de repartir un petit peu comme on a terminé cette première période, repartir de l'avant. Ouais, bien joué Thibaut Hamel. Ah non, je croyais qu'il avait pris ce ballon, mais finalement, oh, attention. Ouais, avec l'effet d'optique là, on a eu le sentiment que la vigne est partie seule au but. Ouais. On voit Tommy Iva qui revient de l'échauffement. Ouais, qui enlève son chasuble. Le changement à venir pour l'US Saint-Malo. Il dynamite un petit peu le jeu côté. Avec sa rapidité, Tommy Iva. Et puis c'est un joueur qui sait répéter les efforts, qui sait se faire mal. Allez, on met le pied sur le ballon. Attention, ça va venir au contact là. Et ouais, ça s'est raté de la part de Landry. C'est bien sorti et de la part de Bludo. Bien joué, il a bien senti le coup Bludo. Ça nous oblige à mettre ce ballon en touche. Et Saint-Brieuc ronronnait un petit peu hein, sur cette conservation de balle du coup. Inversement de Kevin Simon. Allez, il faut rester concentré, il faut rester dans le match les Malouins. On a eu faut pas se laisser endormir là. Voilà, on ferme l'axe avant. Il est un peu court Léo Yobé malheureusement pour récupérer ce ballon. Vargas Rios qui va ressortir. Ouais, qui trouve Bludo dans l'axe. Bludo ça va ouvrir là-bas. Ouais non. Oh là là, il est passé cette passe entre deux de Bludo, mais heureusement. Sans conséquence pour l'US Saint-Malo, ça revient dans les pieds de Nathan Jaworski. On sent la volonté de fermer l'intérieur du jeu et de les inciter à jouer côté. On voit bien Léo et Gaël qui font beaucoup d'efforts pour fermer les passes intérieures. Ouais, effectivement. Et il va y avoir un double changement pour l'US Saint-Malo parce qu'on a vu Zakaria Vdaouche aussi enlever son chasuble. Donc tout ça sur les côtés, ça va amener de la vitesse, de la percussion. Ouais. À une demi-heure du terme de cette rencontre. Et ce score et ce match toujours fermé, un peu moins qu'en première mi-temps, mais malgré tout, ça reste très sérieux des deux côtés. Oui, Benjamin Angois, fidèle à lui-même, tout ce qui est duel aérien. Ouais, dans les airs, Benjamin Angois, là, ça va être compliqué pour Léo Yobé, clairement. Omniprésent. Pour Stéthie Bois, même d'ailleurs, c'était pas Léo Yobé. Et on voit Boisvilliers, du côté briochin, qui revient de l'échauffement. Oh là, attention, il a tendu le ballon, Eddy Debreu. La vigne qui va trouver peut-être à gauche. Aïe, 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 l'ouverture du score. L'ouverture du score sur une erreur. Malouin. Une perte de balle. Eddy qui attend ce ballon. Ah, il a été un peu. Ouais, il s'est un peu oublié là-dessus, Eddy. Et ça permet à Valentin Lavigne de venir ajuster le gardien après un bon décalage de Maël Ilien. Ouais, c'est Ilien qui avait décalé, effectivement, j'avais confondu les deux. Un super ballon. Voilà qui va compliquer la tâche. Il reste une demi-heure. Au moment où Fabien Pujot s'apprêtait à coacher là. Ouais. Voilà, on l'avait dit, hein, toute façon, hein, que ce match pourrait jouer sur des détails. C'est le cas. Eddy Debreu, malheureusement, qui jusque-là avait fait un sans faute ou presque, qui attend ce ballon et qui est pris. Et puis bah, derrière, là, le décalage, il est tout trouvé pour la vigne. Ouais, c'est cruel. Hein. C'est cruel. Parce que c'est vraiment le premier tir cadré hein, de Saint-Brieuc. C'est vraiment leur première véritable occasion, finalement. Mais il ne faut pas baisser la tête, il reste du temps, il reste 30 minutes, on le sait. Les scénarios Coupe de France, on en a vu. Double changement que Fabien Pujot maintient, à savoir la sortie de Gaël Danik, l'entrée de Zakaria Daouche, la sortie de Léo Yobé et l'entrée de Tommy Iva. Allez, deux flèches là qui vont nous apporter de la vitesse. Ouais, du 109. Allez, ils ont été décisifs la semaine dernière, ils sont en pleine confiance.
Ouais, ouais. Et puis, il faut rien que ça paye aujourd'hui. Rien n'est joué, comme tu le dis, Brian. Rentrée, Tommy, Iba. C'est sûr que bon, ça met un coup derrière la tête, ce but, mais il reste du temps. Allez, comme on sent d'habitude, Kevin. Allez, Kevin, aller dans le touche adverse, là-bas. Dans le dos. Là-bas. Oh, bah, on a failli toucher ce ballon. Ouais. Et allez, on va recommencer comme tout à l'heure. Essayer d'aller mettre sous pression un petit peu cette défense briochine. Et il va bien falloir maintenant aller se créer des opportunités. Toujours Bludo qui vient se sans se découvrir trop. Les lignes. On en parlait, hein, quand on jouait à Jungle Session il y a 15 jours. Quand on fait dans cette situation-là, quand on est mené et qu'on veut rester, on veut pas trop ouvrir le jeu malgré tout. Voilà, il faut faire preuve de caractère et puis il faut. Voilà, on va être obligé de prendre un petit peu plus de risques. Allez, Landry, voilà. Landry, ça passe Koulou par là. Qui trouve Debreu pour s'attraper. Au-dessus, malheureusement. Dommage, Eddy. Ouais, pas couché sur le ballon, Eddy. Je pense qu'il avait à cœur d'essayer de rattraper sa petite erreur de tout à l'heure qui a amené le but. Malheureusement, il était un peu en arrière, Eddy, et ça passe au-dessus. Ça aurait été la belle histoire. Ah oui. Ça aurait été surtout très, très bien d'égaliser dans la foulée de l'ouverture du score, là. Ouais, moralement. Et ouais, malheureusement, cette frappe d'Eddy Debreu qui s'envole. Mais, voilà, la bonne montée de Landry, finalement, qui sort un peu de sa zone de confort et qui vient apporter le danger. Oui, et puis ça montre que voilà, ça peut s'ouvrir. Allez, la bonne intervention à nouveau. Attention dans le dos de Tommy Vass, encore. Ouais. Ouais, heureusement. C'est sévère. Ouais, je pense que c'est sévère. Je pense que c'est très bien joué de la part de Vargas Rios qui est venu percuter Tommy Vass. Et obtenir ce coup franc. Il y aura un changement pour le Stade briochin. Ouais. Avec la sortie de Scott Kay. Et ouais, la sortie du numéro 9, Scott Kay. Et l'entrée en jeu du numéro 17, Devon Romil. Scott Kay. Oui, c'est Devon Romil. Rentrée numéro 17, Devon Romil. Je ne sais pas si c'est. Je pense que le jeune Saïd va aller. Dans l'axe peut-être. Peut-être côté. Ouais, je pense côté droit ou dans l'axe. Devon Romil, ouais, qui était. Titulaire, si je me trompe pas, contre Van la semaine dernière. Oui, exact, côté droit. Scott Kay qui aura pesé hein, sur la défense sans se montrer véritablement dangereux, mais il use hein, finalement. Ouais, une défense, en point d'appui, un élément fixateur là, qui permet de faire reculer l'adversaire. Bon, attention, c'est passé. Ouais, c'est bien combiné de la part des Briochins. Bien joué. Ouais, bien joué. Bonne intervention de Thibaut Sillard. Reste sous pression. Allez, Zakaria qui vient centre mettre la première pression. Oh, il y a une main. Il y a une main qui a pas été. J'ai cru voir une main de la part du joueur briochin. Vargas Rios, le centre. C'est récupéré. Ça reste dans la surface. Par Saïd qui tente. Ouais, bien défendu. Ouais, superbe défense. Allez, bon ballon. Superbe Michel. Défense de Rinkoulou. Allez, Tommy Iva pour un de ses premiers ballons. Tommy Iva qui trouve Kevin Goba qui garde la vitesse. Allez, il déborde Kevin. Le bon centre de Kevin Goba, malheureusement. C'est un ballon difficile à négocier. Poussé par Kevin Simon, mais c'est Eddy Debreu qui récupère, qui a poussé un peu loin, malheureusement. On va mettre la pression. C'est dommage, Mais c'est bien. Il faut aller dans cette surface briochine. Il faut aller un petit peu les mettre en difficulté, ces briochins. Ouais. Ils sont un peu trop dans le confort derrière depuis tout à l'heure, là. Il faut aller absolument essayer de trouver la solution pour égaliser. Il reste 24 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Il y a le temps. Il y a le temps, mais il faut y croire. Mais bon, il faut y penser quand même. Si on pouvait égaliser en la 90e, je ne serais pas contre. Oh, c'est raté, ça, c'est Kevin Simon. Et ouais, bien joué de la part de Tommy Iva qui va obtenir un corner. Un corner de gagner. Et, ouais, et on l'a dit déjà la semaine dernière, si tu te rappelles, il y a 15 jours, pardon, à Jungle Session. Petite cause, grands effets parfois. Effectivement. C'était une. Allez, on va y croire sur ce corner pour l'US Saint-Malo. Pourquoi pas une tête de Kevin Goba là, ou de Eddy Debreu. Ou de Thibaut Sillard, ou de Jean-Hugo Ney, on a des joueurs de tête aussi à l'US Saint-Malo. Il faut mettre de l'autorité, on n'a pas de déficit de taille, il faut s'engager. Allez, le bon coup de pied de Melvin. Bien s'appliquer Melvin, surtout c'est important cette balle. Attention de bien sécuriser, ouais, Tommy un peu gourmand, il va se placer le devant. Le bon corner de tête, c'est un peu trop sur Pathier, oui il lui échappe, malheureusement il faut y être au deuxième. Oh, il y a une main, on réclame une main du côté de l'US. Non. Mais c'est joué rapidement de la part du gardien. Ouais, je vois pas pourquoi monsieur l'arbitre interrompt le jeu. Il n'y a aucune volonté là de la part des joueurs malouins de contrer ce ballon. Bon, finalement, Maxime Pathier s'en sort bien parce que ce ballon qui lui échappe aurait pu revenir dans les pieds malouins. Ouais, petite fébrilité là sur cette artérienne qui était pourtant, il n'était pas en danger. Ouais, il n'était pas gêné. Quand je l'ai vu sortir, j'étais un peu surpris, mais ça paraissait un peu haute. Et la preuve en est, c'est qu'elle lui a échappé. Malheureusement, pas de malouin à la retomber.
C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Très dommage. Gwen Foulon qui va faire son entrée ouais, en jeu. Nouveau changement pour l'US Saint-Malo, le troisième. Allez, buteur la semaine dernière aussi. Et la sortie de Thibaut Sillard. L'entrée de Gwen Foulon. Ouais, on va passer sur une défense à 4. Je pense qu'on va passer à 2 devant. Fabien Pujol le sait, il faut aller chercher cette égalisation. Ouais. Il faut aller marquer maintenant. On va passer en 4-4-2 avec Gwen Foulon et Kevin Goba devant. On va amener des armes offensives. Ouais, c'est à prendre quelques risques supplémentaires. Mais là, de toute façon, il n'y a plus vraiment de choix. Ouais, 3 joueurs frais là sur nos 4 attaquants. Ouais, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. 3 joueurs frais, 3 joueurs rapides. Allez, Melvin à la lutte. Bien joué, Melvin. Il a été prendre ce ballon sur la tête de Ilien. Le contre en faveur là de Saïd, ouais, bonne intervention de Thibaut Hamel heureusement. Et Nathan qui met ce ballon en touche. Il faut que ça reste sur le terrain. On sent que ça s'ouvre un petit peu, il y a des espaces forcément, de chaque côté. De toute façon le match va sûrement s'emballer un peu dans les 20 dernières minutes. Et il faut qu'elle soit à nous, ces 20 dernières minutes, parce que quand on est mené comme ça, il faut aller. Alors évidemment, on va s'exposer forcément un peu plus, hein, mais il faut aller. Mettre la pression absolument sur cette défense briochine. Oui, effectivement. Une touche. Joué par Benjamin Angois. Dans les pieds de Maïlien. Intervention de Thibaut Hamel. Et ça reste en faveur du stade briochin. On cherche dans la profondeur. Ça va être. Non, c'est pas sorti. Ilien avec le ballon. Ilien qui est face à un joueur qui trouve à côté de lui. Mais ça va sortir finalement cette remise. En faveur de l'US Saint-Malo, allez, il faut y aller les gars, 20 minutes à jouer. Et forcément du côté briochin, bah, ça redonne un petit peu d'énergie ce but. On reste haut. Oui, c'est inévitable. Allez, Landry, là c'est pas la peine de rester là, je pense. Faut. Ouais, bon ballon ça. Ouais. Bon ballon de Nathan. Allez, Thibaut Hamel, bon contrôle, bonne maîtrise de ce ballon. Ah, par contre ça c'est dommage de perdre 3 mètres comme ça. Alors qu'il avait fait le plus dur presque, Thibaut. Ouais. Allez, Eddy Debreu. On vient rien. Qui cherche. Ah ouais, mais par contre, c'est pas bien compris. Mais Tommy Iva a intercepté ce ballon finalement. Il y a un coup là, mis sur Tommy Iva. Ouais, allez, on va vite à l'opposé. Il faut aller vite à l'opposé. Allez, Landry. Oh, la faute. La faute sur. Pas sur Landry d'ailleurs. Je pense que l'arbitre peut sanctionner. Non, ils font le choix de jouer vite. Il dit rien. Allez, on enchaîne. Landry va se relever. On veut garder le rythme. Le long ballon de Jean Hugonnet. Bien vu. Il a vu. Bon, une première intention. C'était pas mal vu ça. C'était pas mal vu ça de la part de Johan Vestiaire, dans l'intention en tout cas c'était bien vu, c'était essayer de prendre un revers en la surprenant cette défense briochine malheureusement. Dans l'exécution c'est un peu raté, ça arrive directement dans les bras de Maxime Patier qui peut dégager son équipe. Attention à la couverture, là il n'y en a pas, ouais, les deux sont alignés, bien communiqué, Henri Nkoulou et Jean Hugonnet. Et ouais parce qu'on a changé de dispositif, hein. il faut se remettre en place. Oh là là, cette relance de Landry Nkoulou complètement ratée. Derrière sur pour le Saïd. Saïd, on voit bien. Il va frapper Saïd, c'est contre. Cette fois, il s'est bien repris Landry Nkoulou. Le deuxième temps pour la ouais, ville. La bonne intervention, très bonne intervention de Nathan Jaworski qui va pouvoir relancer rapidement sur Thibaut Hamel. Oui, le bon contrôle. Et allez, Zakaria, il peut faire la différence. Zakaria Daouche. Pas de faute sur Zakaria Daouche, malheureusement. Bien défendu de la part des briochins. Ouais, le match qui s'emballe un petit peu. Enfin, on aurait presque envie de dire. Avec un nouveau Zakaria Daouche. Allez, le 1 contre 1. Allez, avec sa vivacité, Zakaria peut faire la différence. Il a trouvé à côté de lui. Ah, la remise est mauvaise. Gwen, c'est des ballons importants. Cette remise de Gwen Foulon. Mais Zakaria, clairement, il peut faire la différence là-bas avec sa vivacité. Ouais, on le sait, c'est un joueur qui est en pleine confiance. Ah, on l'a vu, de bonnes choses. Ce but contre Plabennec, là. Ouais, le centre. Bien joué. Dommage, ça manque de justesse. C'est bien joué, mais on vient. Allez, c'est bien. Il faut aller mettre la pression sur ce but. Il faut que les briochins. Commence à reculer, commence à craindre un petit peu ces attaquants malouins. Ouais, il faut insister. Oh, il est pas bon ce dégagement de Maxime Patier. Il y a un coup à jouer là. Allez, Melvin, ouais, il peut jouer à droite. Fixe. Il aurait pu fixer effectivement, mais il a lancé Tommy, Tommy Iva. Il a dribblé. Tommy Iva, allez, joué. On fixe. Le grand pont, il peut y rentrer dans la surface. Tommy Iva, le centre. Ah, il est raté ce centre de Tommy Iva malheureusement. Et on peut se relancer côté briochin, partir en contre éventuellement. Ah, c'est dommage, il faut assurer ses passes. Opposer. Allez, il faut rester là, il faut rester haut. C'est dommage qu'il y ait des centres, il y a des solutions. Il faut et on laisser acculer, ouais, effectivement. C'est pas assez juste. Hein. Oh là là, attention. Thibaut, tardé, les erreurs. Qui a tardé à passer ce ballon. Attention dans la profondeur. Faut pas être pris là. Ouais, Nathan, la bonne intervention. Nathan, il faut y être en premier. Il faut mettre le pied. Ouais, bien joué, ça va être récupéré.
Et Tommy, bah, est-ce qu'il va pouvoir... Ouais, il y est, Tommy. Il a un peu d'espace. Il a Kevin Gauba qui fait l'appel au premier, qui va pouvoir se retourner. Oui, Kevin. Allez, enchaîne. Oh, la prise de balle était très bonne de Kevin Gauba. Malheureusement, il n'a pas pu enchaîner. Et ça repart dans l'autre sens. Un match qui s'emballe et ça sent le chaos d'un côté ou de l'autre. Il y a beaucoup de rythme, en tout cas, dans cette rencontre depuis 5 minutes. Saïd, là, qui est par rencontre et qui va essayer de passer Landrine Koulou. Ouais, il s'est un peu emmêlé les crayons, là, Saïd. Et il n'a pas passé Melvin Vira, qui est encore une fois partout. Melvin, qui gagne un coup franc. C'est un peu des matchs à l'anglaise là, depuis 5 minutes. Là, c'est normal, c'est normal. Il faut absolument que là, par contre, autant jusqu'à présent, c'était pas forcément notre avantage. Mais là, il faut absolument que ce match s'emballe et qu'on sorte de ce rythme un peu ronronnant dans lequel on est englué depuis pas mal de temps maintenant. Et puis l'entrée des nouveaux joueurs frais, là, on sent qu'il y a un changement de rythme, d'intensité. Des joueurs frais offensivement et la défense Ryoshin avec peu de solutions finalement sur le banc pour changer cette défense Ryoshin qui va commencer aussi peut-être à fatiguer. Il faut aller les embêter, il faut aller presser. On sent qu'il y a de la qualité quand même quand ils ressortent le ballon. Ah là, on voit bien, ils arrivent à trouver là en un enchaînement. 5-6 passes dans la largeur. Et puis c'est bien huilé, on voit bien. Hein. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Mais qui jouent ensemble aussi toutes les semaines depuis le début de la saison. Enfin, pas forcément ceux-là précisément, mais. Allez, on garde. Zakaria qui essaie de déborder, qui est pris. Mais ça revient dans les pieds de Thibaut Hamel. Ouais, c'est récupéré haut. Oh, attention à ce ballon, Thibaut. La fois assurée, c'est pas Thibaut. Ah Jean, oui, l'intervention de Jean. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il était un peu en retard, Jean, mais c'est bon. Finalement, c'est récupéré par Melvin qui va changer d'aile. Ça va être repris, ça, malheureusement, par Vargas Rios. Un bon qui cherche facile. Qui va ressortir sur Kevin Simon. Kevin Simon qui dégage son camp. Allez, ouais, Johan Vechter un peu court. C'est lui qui récupère beaucoup de ballons. Il fait bon dos au jeu aussi. Effectivement. Il fait du bien, ce jeune joueur. Il y a une faute. Non, rien, non. D'après monsieur l'arbitre. Je suis pas tout à fait d'accord, mais ça nous profite, on va rien dire. Allez, on arrête de perdre des ballons bêtement dans l'axe. Trop de pertes de ballons, malheureusement, dans les transmissions. Là. Et puis là, effectivement, on est coupé en deux côté malouin. Ça peut aller vite de l'autre côté à gauche. Est-ce qu'il est hors jeu? Il n'est pas hors jeu, visiblement. Par l'arbitre. Si, c'est signalé, heureusement. Si, un peu tardivement. J'ai eu peur. Hein. On était clairement déséquilibré, ouais. Ouais. Ah ouais, là, on était coupé en deux du côté malouin. Mais en même temps, c'est normal. Il reste 15 minutes. Il faut aller tout tenter, presque sans effectivement trop se déséquilibrer. Mais c'est compliqué de trouver le juste milieu entre l'attaque et le. Il ne faut pas se précipiter, là on sent qu'on se précipite un peu, notamment au milieu de terrain, on perd des ballons faciles dans l'axe du terrain, il y a des zones où il ne faut pas perdre et là on le fait et ça peut coûter cher. Hein. Ouais, malheureusement effectivement, si on part sur ce principe d'emballer le match et d'aller porter le danger sur les buts briochins, effectivement comme tu le dis Brian, il faut être précis dans les transmissions et pas perdre le ballon dans trop les zones vite. Dangereuses surtout. Et encore plus dans les zones dangereuses effectivement. Parce qu'on on reste très dangereux offensivement du côté briochin. Du changement, l'entrée du jeune Gomis. Et la rentrée numéro 18, Emeric Gomis-Maillard. Ouais, c'est l'entrée d'Emeric Gomis-Maillard, la sortie du buteur, Valentin Lavigne. Qu'on n'aura pas beaucoup vu, mais qui aura été efficace sur ces 2-3 ballons à négocier. On l'a trop vu à mon goût, si tu veux, mon avis. Ouais. Il a su être percutant, voilà. Sur le ballon le plus important du match. Et, et puis il alloge bien, hein. On l'a pas dit, mais très réaliste. Hein. Lavigne, c'est devant le but là tout à l'heure. Allez, il y a un décalage encore une fois. Allez, Thibaut, faut s'appliquer, Thibaut. Ouais, c'est un bon centre, toujours premier poteau. Pas terrible ce centre de Thibaut, malheureusement. Ouais, faut l'élever, hein. Ça fait au moins 5 situations, 5 centres qui peuvent apporter du danger devant le but, mais on n'arrive pas à passer le premier rideau. Un peu de fatigue aussi, peut-être. Hein. C'est vrai qu'on peut comprendre. Mais il faut aller chercher au fond de ces ressources là pour les Malinois. Ce ballon trop long qui va arriver dans les mains de Maxime Patier. Allez, il ne faut pas se précipiter non plus. Il faut aller mettre le danger effectivement. Ouais, la bonne intervention là, du jeune entrant. Mais lui, c'est dans le dos, c'est Allez, un ballon. Allez, Gwen, Foulon, on met de la vitesse. Il a pris ce ballon, il s'est arrêté, il a trouvé une solution peut-être. Non, il garde le ballon. Il faut pas être arrêté, on perd et du on temps. On ressort pour Melvin. Il n'est pas précis du tout cette passe de Gwen Foulon malheureusement et ça va partir en contre. Non, Jean Hugonnet est là, super Bien intervention Jean. De Jean. Belle intervention. Le rock derrière, heureusement Jean Hugonnet. Allez Thibaut, un bon centre. Ouais, le centre de Thibaut, encore une fois, ça passe pas le premier rideau. C'est Eddie dommage parce qu'on récupère vite. Ouais, Eddie Debreu qui rentre dans la surface, qui tombe. Allez. Rien, selon monsieur l'arbitre. On y a cru, on était masqué. Hein, donc on va pas porter de jugement sur cette action. Mais c'est vrai qu'on espérait entendre un coup de sifflet. Rien à dire, monsieur l'arbitre. Allez, c'est joué. Et on est reparti du côté du stade Briochin. Bon, on met du rythme. Mais la bonne intervention à deux, Melvin Vira qui va effacer son vis-à-vis. Oui, qui a trouvé Gwen Foulon sur le côté droit et rentre dans la surface. Le centre de Gwen Foulon, centre-tir. Oh, ouais, on n'était pas loin finalement d'aller lober Maxime Patier involontairement. Toujours ce manque d'efficacité dans le dernier geste. Ouais, dommage, il y a dommage, des décalages. Effectivement, parce que là, on a quand même mis à mal cette défense Briochin à plusieurs reprises. Là, et c'est toujours effectivement dans le dernier geste qu'on n'est pas précis.
Mais faut y croire. Ouais, bien sûr, c'est bon signe. Il reste presque un quart d'heure avec le temps additionnel, 17-18 minutes peut-être. Oh, le ballon, le long ballon là, ça rentre dans la surface, le centre complètement raté. Ça va être un corner, non, c'est pas un centre raté, c'est un ballon contré. Par Landry Nkoulou qui avait suivi. Ouais, la bonne défense de Landry Nkoulou, c'est presque dommage parce que finalement il n'y avait personne dans le centre pour Saint-Brieuc. Maxime Dornano qui fait signe à ses joueurs de se calmer. Il vient d'obtenir presque quelque chose d'inespéré, les Briochins, avec ce corner là. Ouais. Qui va leur permettre de respirer parce qu'ils sont un peu sous pression là quand même, depuis quelques minutes. Et ça va d'un camp à l'autre là, on sent que. Ouais, ça va d'un camp à l'autre, mais ils avaient du mal à ressortir les Briochins quand même depuis 3-4 minutes là. Ouais. Saint-Malo qui fait clairement le choix de laisser des joueurs offensifs devant. Ouais, ça empêche les défenseurs de Briochins d'aller mettre la tête sur ce coup de pied. Et puis ça peut offrir des possibilités de contre éventuellement. Le deuxième but. Poteau. Ah ouais, on l'a vu Bludo là. On le dit depuis le début qu'il prend toute la tête, ce diable de Bludo. Et là, malheureusement, ça va devenir très compliqué à 12 minutes du terme avec ce deuxième but du Stade Briochin. Ah, il est à place bien cette tête, hein. Elle est magnifique. Ouais, corner bien tiré, bien coupé au premier poteau. Ouais, ouais. Allez, Jean qui essaie de motiver ses troupes, c'est pas terminé, il a raison. Ah, le réalisme briochin, ouais. Qui malheureusement nous assomme un ça peu. Ça a jeté un froid sur le stade de Marville. Ah, ils ont été très très réalistes, hein, finalement, ces briochins, parce que sur leurs deux tirs cadrés, marque de but. Ouais, Alexander Broquet sans qui a fait son entrée. Ouais, sans qu'on puisse reprocher quoi que ce soit à Nathan Yavorski, qui n'a rien pu faire sur les deux buts. Le timing était parfait de la part de Bludo sur cette tête. Ouais, puis elle est logée sur le poteau, là. Le pauvre Nathan, il ne pouvait pas faire grand-chose. L'entrée d'Alexander Broquet. Et la sortie de Thibaut Hamel. Oh, c'est pas bien joué ça parce qu'on veut chercher la touche, mais on la met directement sur Kevin Simon qui va allonger à son tour. Jean Huguenet. Oh là 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 là, faut pas se déconcentrer. Oh là, faute, grosse faute d'Alexandre Broquet d'entrée de jeu. Alexandre Broquet. Voilà. Petite incompréhension. Carton jaune pour Alexandre Broquet qui n'a pas encore touché le ballon. Comme contre Plabennec, première intervention, il est pris jaune aussi. Calmer ses ardeurs, Alexander. C'est un ballon qui était pourtant simple au départ, je pense. Hein. Ouais. Comme c'est un peu finalement aussi l'histoire de ce match, on se met en difficulté tout seul parce que ce corner là, c'est vrai que c'est. Bon, il n'y a rien à reprocher à Landry Nkoulou. Il vient contrer le centre, mais il y a deux attaquants très éloignés de Saint-Brieuc. Un ballon un peu dans le fond là-bas, et puis on a concédé un corner, on l'a dit tout à l'heure. Malheureusement, ça ne nous a pas profité, ça profite à Saint-Brieuc. Petite cause, grands effets. Ouais. C'est vraiment dommage parce qu'on avait quelques situations avant qu'on aurait pu. Ouais, qu'on n'a pas bien, ouais, pas bien joué. On aurait pu mieux gérer. Ouais, c'est vrai. Notamment, c'est des quelques débordements là, sur les deux ailes avec des centres ratés pour la plupart. Attention, Alexander, pas aller commettre une deuxième faute. Il n'y a pas de faute. La touche, elle est malouine avec Melvin voilà, qui la laisse à Alexander Broquet. Allez, il faut mettre du rythme. Il reste 10 minutes, sait-on jamais. En allant marquer un but. Ça peut changer beaucoup de choses. Allez, le long ballon d'Alexander Roque qui va chercher Zakaria Blaouche. Qui est passé Zakaria une première fois, pas une deuxième fois. La touche, ça va être pour Saint-Brieuc, malheureusement. Ouais. C'est bien défendu de la part du Goboudin. Ah ouais, rien à dire. Bon, la touche avec le pied décollé là, mais bon, c'est pas signalé par monsieur l'arbitre. C'est récupéré par Alexander Broquet qui a trouvé Didier Debreu. Ah, ouais, il est mis en difficulté, Didier Debreu bien défendu de la part de Bludo. Non, c'était pas Bludo d'ailleurs, c'était Ilien. Il peut faire gagner un temps au lieu de se précipiter. Voilà, Alexander qui est pris, il y avait un jeu, je pense, au départ. Petite faute, mais. Ouais, une faute avant. Ils sont un peu ratés, on peut jouer vite avec Melvin. Heureusement, ils sont un peu précipités, les Briochins, parce qu'ils avaient un bon coup à jouer là sur ce coup là. Allez, Tommy. Ouais, non, c'est bien il y a de l'expérience en face. Hein. Il y a de l'engagement de la part des joueurs. Ouais, t'énerve pas, Tommy, faut pas s'énerver. Oui, Bludo, c'est très physique et sans faire de faute. Ouais, dit là, il est pris. Allez, faut mettre du rythme là, on sent qu'on baisse un peu en intensité. Changement pour le Stade Briochin. Ouais, avec l'entrée. Avec la sortie de Saïd, hein, qui est accrédité d'un bon match. Et l'entrée de Rouen Mananga. Il aura fait un bon match. Hein. Ouais, il nous a vraiment posé des soucis hein, sur son côté gauche, Saïd. Bonne entrée en jeu du nouveau joueur prêté par le Stade Brestois au Stade Briochin. Une bonne pioche, a priori, pour le Stade Briochin pour la deuxième partie de la saison. Ouais, vraiment.
Allez, Tommy, faut garder, faut pas perdre ce ballon. Faut être sûr dans ses transmissions. Gwen qui obtient un coup franc. Gwen Foulon. Allez. Sur cette charge. Cette phase importante. On va dire de Kevin Simon, mais il y a un bon coup à jouer. Ouais, il faut prendre. Hein. On ça prend tout ce qu'il y a. C'est vraiment une bonne idée là, d'aller mettre ce ballon au fond des filets de Maxime Pathier à quoi 7 minutes de la fin du temps réglementaire maintenant. Ouais, plus le temps additionnel. Il reste le temps. Si on marque rapidement, ah ouais, c'est ça, possible derrière. Marquer hein, il faut y croire. Quoi. C'est ça le truc. Il faut du dépassement de soi, il faut des excès d'engagement. Et il faut un peu de folie. Ouais, un peu dépasser ses fonctions, aller créer le danger. Allez, Jean-Hugues Bonnet. Défense briochine. Allez, le coup franc. La tête. Allez. Prendre Melvin Vieira pour Kevin Gobat peut-être. C'est un peu profond. C'est un peu profond. C'est repoussé des deux points par Maxime Pathier. Ouais, un peu d'hésitation ouais, là. Ouais, allez, ouais, allez, faut la récupérer cette balle. Oh là 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 là, là non, c'est, attention, ça va partir en contre. Ça va partir en contre. Bonne intervention. Gobat qui arrive bien pris. Super le tac de Tommy Iva. Tommy Iva qui essaye. Ouais, j'ai cru qu'il avait éliminé Bludo, mais attention, hein, c'est un client Bludo. Il y a de l'espace là. Il aura fait un sacré match Bludo aussi. Manonga qui préfère temporiser. Ouais. Qui va ressortir, mais il a raison. Hein. Ouais. On joue pas maintenant. Avec la montre. Bien sûr. C'est leur jeu maintenant, Stade Briochin, d'aller conserver ce ballon. Ouais. Allez, il faut qu'on gagne les mètres, qu'on joue un peu plus haut. Voilà. C'est Eddy de sortir et Melvin Vieira. Allez, Melvin, il a beaucoup donné aussi. Allez, il faut plus compter là. Faire monter le palpitant. Répéter les courses, tant pis. Est-ce qu'elle est sortie? Elle est sortie cette balle en faveur du Stade Briochin. Ouais, ouais. Et ouais, on prend son temps du côté de Saint-Brieuc, c'est normal. C'est le jeu. Vargas Rios qui va en trottinant chercher ce ballon. Assez dur hein, ce scénario-là. On n'a pas l'impression ouais, d'être... Ouais, ouais. C'est vrai qu'on va ressortir avec des regrets de ce match. Si ça en reste là, bien sûr. Allez, bonne pression d'Alexander. Voilà, ça oblige automatiquement une prise de risque. Ouais, très bien joué. Très bien joué cette sortie d'Alexander Broca qui va permettre au Malouin de repartir et d'aller chercher. Ouais, il faut aller chercher devant, mais. Ah ouais, mais là, aller chercher. Ouais, Zakaria avec Angua, là, ça va être compliqué. Ah oui. Ouais. Faut rester lucide. Allez, Eddy Dobreu. Bonne prise de balle. Ah, il va obtenir un coup franc, Eddy. C'est bien. Coup franc. Allez. On continue, il faut mettre la pression rapidement, on se met en place. Les moindres secondes, elles sont cruciales. Ouais, effectivement, là. C'est maintenant ou jamais, presque. Allez, il faut y croire. On peut aller chercher Maxime Pathier qui n'est pas dans une forme, la même forme que la semaine dernière, visiblement. Il ne s'est pas forcément rassuré, le gardien de Saint-Brieuc, sur ses deux dernières interventions aériennes. Ouais, c'est bon pas mal tiré. Ouais, bien joué cette fois. C'est rien à dire de Maxime Pathier, ouais. Il m'a fait mentir. Très bonne intervention sur la tête de Gwen Foulon. Ça va chercher la tête de Manonga. Allez Tommy, ouais, Tommy là, ouais, Tommy, lutte avec Manonga, c'est compliqué. Il est pris, ouais, la bonne intervention de Nathan Jaworski qui évite le pire et qui laisse encore un peu en vie l'US Saint-Malo. Mais un corner à suivre et ce corner obtenu à 85 minutes et 50 secondes. On va voir combien de temps ils vont mettre à le jouer les briochins. Ils vont gagner au moins 30-40 secondes là-dessus, je pense. Et là, comme c'est tu le disais, Brian, deux. Chaque seconde compte. Hein. Là, on est dans le. Ouais, on va être juste en timing. Il va falloir très très vite se la procurer, celle-ci. Et le corner de Manonga. Attention, deuxième poteau. C'était pris par les briochins. C'est repoussé, mais récupéré. À nouveau. Par Maëlilien. Par Ilien, ouais, qui ressort pour Angua. Angua qui va. Oh, ouais, ouais finalement devant lui. Ah, c'est bien joué ouais. De la part de Saint-Brieuc. Encore Maëlilien, attention. Là, le bon sang. Ouf, heureusement un peu fort ce centre du lien. Ouais. Il avait vu qui était sur son mauvais pied. Ouais, il avait vu son coéquipier Manonga au deuxième poteau. Heureusement un peu fort. Allez, Gwen Foulon. Allez, à l'opposé là, ils sont deux avec. Melvin, un peu court ce ballon. Non, finalement, ça va arriver jusqu'à Alexander Broquet. Alexander Broquet qui va. Ah là là, là. Ballon pas assuré d'Alexander Broquet ouais. Qui cherchait Zakaria Daouche. Pidez, cette faculté à trouver rapidement vers l'avant. Voilà la largeur. Ah ouais. Il y a un décalage côté. Il y a des gros gros espaces pour Saint-Brieuc. Devon Romil qui ouais, va provoquer l'ennui. Attention, il est dangereux, on l'a vu hein, la semaine dernière. Ouais, bon là ça va, il a raté son enchaînement, heureusement. Allez, ça quelques opportunités encore peut-être pour les Malouins, sait-on jamais. Il faut essayer d'aller mettre ce petit but qui pourrait inverser la tendance. Pour l'instant c'est Tommy Iva
qui a la lutte avec eux. Ouais, voilà. Ouais, ouais, Bludo, il fait un sacré match. Ouais, hein. Ouais, il est impressionnant, ce Théo Bludo. Tous ses 1 contre 1, tous les duels aériens. Il fait beaucoup de bien à cette équipe brésilienne. Très, très bon joueur et très, très gros match de Théo Bludo. On le savait, hein, c'est pas une surprise. Allez, Melvin, une nouvelle fois isolé. Allez, Johan Vechter à mon centre. Ouais, c'est, il est pas mal, ce centre de Johan Vechter. Deuxième poteau pour Gwen Foulon, c'est pas récupéré, mais ça va être deuxième poteau par Alexander Broquet. Le centre d'Alexander Broquet dévié par Foulon. Et ça va être un corner pour l'US Saint-Malo. C'est sauvé par Angois. Ouais. Premier poteau. Dommage, dommage. Belle opportunité là pour les Malouins. C'est joué vite, ce corner. On ressort avec Zakaria. Zakaria qui va pouvoir entrer dans la surface. Oui, c'est passé. Allez, Zakaria. Joueurs. Il a encore éliminé un joueur. Ah, malheureusement, il est s'est retourné. C'est dommage. Non, le bon centre, deuxième poteau. Ouh, c'est, ouh, pas c'est compliqué. Il encore. Oh, non, c'est pas cadré. Aïe, Johan qui s'est précipité. Johan Nachter, alors que le Maxime Patier était au sol. Ouais, erreur d'appréciation de la part du gardien. Ouais, et ça profite ballon, pas. Un ballon fort à mi-hauteur, là, ça aurait été beaucoup mieux dans le tas. Aïe, est-ce qu'on n'a pas raté la dernière occasion de revenir au score? Dommage, hein, entre l'opportunité de Gonfoulon qui obtient le corner, la bonne percussion de Zakaria Avdaouche, mais qui finalement se retrouve dos au but, malheureusement, alors qu'il est arrivé au 6 mètres quasiment. Je me demande s'il ne peut même pas enchaîner la frappe à la sortie de son dribble, j'ai l'impression qu'il était bien placé. Et ouais, mais j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé dos au but, je ne sais pas trop comment, mais du coup, plus en position pour frapper, malheureusement. Bref, allez. Attention à cette relance là sur Melvin, mais il y a hors-jeu, je pense. Hors-jeu, c'est possible. C'est signalé par monsieur l'arbitre avant même son arbitre assistant. Oui. Allez, Nathan, attention, hein, Nathan, c'est une bonne, même si là ça n'a pas de conséquence, c'est une bonne leçon, hein, cette mauvaise relance sur Melvin Vira qui aurait pu être dangereuse. Jean-Hugues Gonnet qui vient se positionner aux avant-postes. Ouais, là, sur cette façon, maintenant, il faut jeter toutes les forces dans la bataille, toutes les forces offensives possibles, même nos défenseurs centraux. Allez, Tommy. Allez, Tommy, ouais, voilà, t'as fait la différence. Avec sa vivacité. Un bon centre. Mais pourquoi Gwen il a arrêté, Gwen Foulon, ouais, il vient l'aider. Pourquoi il a arrêté? Faut venir l'aider sur ces cas-là, c'est des moments importants. Ouais, malheureusement. On ne peut pas se permettre. C'est super bien joué aussi ça. Encore une fois, ce diable de Bludo là, qui a réussi à sortir du coin là-bas, je ne sais pas comment. Quel match il aura fait, Bludo. Et Tommy qui fait le plus dur en sortant du dribble et Gwen qui a l'arrêté à côté de lui. Ouais, et pas d'appel, il doit se mettre en mouvement. Allez, Melvin. Melvin qui se sera énormément donné aussi, qui aura fait un grand match, Melvin Vira. Et il ne faut pas se regarder, les gars, là. Il faut y aller parce que les champs, ils y vont. Eux. Ça explose derrière, on voit bien, ils attaquent à 3. Ça se projette. Un gars qui rentre dans la surface, c'est la bonne intervention. Ça va être une faute signalée. Ouais. Bien défendu. Défensivement aussi. Hein. Landry il aura fait un bon match. D'ailleurs, étonnamment, hein, finalement, la défense centrale Malouine, les trois défenseurs centraux, ne peuvent pas grand-chose à reprocher. Malgré ces deux buts encaissés. Ouais, alors après, à voir sur le corner, comment était la gestion du marquage. Effectivement. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt. Mais on s'en doutait, on avait parlé de détails, ça allait jouer sur des détails, de blocs structurés, et puis malheureusement ça a tourné en faveur de Saint-Brieuc. Et puis on savait aussi que le premier but aurait énormément d'importance. Allez Melvin, je pense qu'il va en avoir plein les bottes le pauvre, il avait beaucoup donné. Allez, deuxième ballon. Ça va mettre ça géré. Dans l'angle mort et ça va être récupéré quand même par Andrine Koulou. Allez, on continue à mettre pression dans la boîte. Gwen Foulon qui trouve derrière lui Eddy Debreu. Eddy qui cherchait Zakaria Avdaouche. Ouais, on joue même plus là du côté briochin, on attend la fin du match. Eddy Debreu. Attention Eddy. Non, prise à deux, touche ballon. Et Mananga qui vient fixer. Ouais, des bonnes remises. Il va pouvoir écarter à gauche, s'il a vu. Super, encore une fois, intervention jusqu'au bout de Melvin Vira. Allez Tommy, on met de la vitesse. Allez, Allez, faut y croire. Quelques minutes peut-être. Globalement à droite il y avait Johan Vechter tout seul. On n'aura pas fait les bons choix, on n'aura pas assuré les passes quand, dans les derniers gestes, les bonnes transmissions malheureusement. Ce qui nous a privé sans doute de quelques opportunités offensives. Ouais, allez, faut aller au bout des choses là. Allez, on y va un par un. Ouais. Faut aller au bout, il n'y a rien à perdre. Faut tout donner. Ouais, il y a grosse fatigue quand même. Faut pas oublier ça aussi de la part de nos Malouins face à une équipe qui est dans le rythme de la compétition depuis qui s'est jamais arrêtée depuis le début de la saison, contrairement à nous. Donc effectivement, il faut aussi prendre ça en compte. Mais c'est dommage parce qu'on sent que c'est pas sur ce principe-là que ça a tourné en notre défaveur malheureusement. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que dans les dernières minutes avec le score, on sent bien que là on a plein les bottes côté Malouin. Moins de lucidité. Côté briochin aussi, ceci dit. Mais les jeunes, les nouveaux entrants là.
Allez. Pour la différence, bien joué, bien Melvin, défendu. Souvent dans cette position, allez, on va Melvin pouvoir orienter. Il va chercher Zakaria, ça va être trop long probablement, ce ballon de Melvin Vieira. Ouais, ça va sortir. En sortie de but, et ça, ça sonne le glas très probablement des espoirs malouins dans, dans cette Coupe de France 2020-2021. On avait beaucoup d'espoir hein, sur cette rencontre. Et on a été douché par le froid réalisme briochin. Même ouais, si voilà, c'est pas ouais terminé, mais bon, 92 minutes, 93 minutes quasiment, on va se faire d'illusions. Voilà, c'est sifflé, voilà, c'est terminé ce huitième tour de Coupe de France qui sera donc le dernier malheureusement pour l'US Saint-Malo. Les joueurs malouins qui sont effondrés là, je pense qu'ils peuvent avoir des regrets, même s'ils ont, voilà, ils ont fait leur match. Hein, on peut pas... Difficile finalement, tu le disais, de leur reprocher quelque chose à nos joueurs parce qu'ils ont fait leur match, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ça s'est joué sur des détails. Une petite erreur défensive sur le premier but d'Eddy, et puis voilà, ouais, un zéro, le réalisme des briochins. Après, si on se met à. Voilà, c'est pour ceux qui suivent le championnat national, on se rend bien compte qu'énormément de buts sont marqués sur des détails, sur des erreurs. C'est souvent des blocs compacts avec deux équipes qui se valent tout le temps. Ça se joue sur le plus petit des scores et c'est des petits détails qui font la différence. C'est le championnat aujourd'hui. Ouais. Ce championnat national se joue à l'arraché et ça s'est vu. Hein, les briochins, ils n'ont jamais paniqué. Même quand ils ont été mis un petit peu en difficulté par nos joueurs, surtout notamment sur la fin de la première période, sans qu'on ait eu énormément d'occasions, mais finalement, on avait pris un peu le dessus. Et puis, ils sont revenus, les briochins, clairement, en deuxième période, voilà, avec d'autres intentions. On les a sentis un peu plus dynamiques qu'en première période. Ouais, je vais beaucoup plus dans notre dos. Ouais. J'ai trouvé beaucoup verticalisé plus vite et puis trouvé dans le dos de nos latéraux. Ils ont quelques situations de centre et dangereuses quand même en deuxième mi-temps. Ouais. C'est pas une défaite illogique non plus. Hein. Non, il y a rien. Si on est réaliste, voilà, toute objectivité, je trouve que Saint-Brieuc a mené son. Ils ont gagné ce match à la régulière. Les briochins, il n'y a rien à dire. Et puis effectivement, il n'y a pas à crier au scandale du tout sur cette victoire. Au contraire, même. Bravo à Saint-Brieuc, Saint-Malo a fait son match, il leur a pas manqué grand chose finalement, c'est toujours cette frustration là finalement, c'est se dire qu'il manquait vraiment pas grand chose pour aller chercher cette équipe briochine, voilà, malheureusement je crois qu'on, ça n'a pas été le cas. On peut se remémorer quand même beaucoup de situations de centre, notamment sur le côté droit, la descente qui manquait d'efficacité, qui aurait pu être dangereux. Je pense qu'il y a eu au moins 5 ou 6 centres qui sont terminés au premier poteau alors qu'il y avait des joueurs derrière. Ouais, des mauvais choix aussi. C'est dommage. Et puis voilà, ces petites erreurs qui coûtent cher, notamment sur le premier but. On ne va pas non plus jeter la pierre à Eddy qui fait cette erreur parce qu'il aura fait un très très bon match. C'est difficile à dire, mais comme la plupart de nos joueurs finalement, il n'y a pas grand chose à reprocher à nos joueurs. C'est voilà, le haut niveau, bravo au Stade Briochin, finalement, c'est la conclusion, c'est ce qu'il en reste. Et qui fasse honneur à la région Bretagne voilà, pour la suite de cette compétition. On leur souhaite déjà le meilleur pour leur fin de saison en national, et puis en espérant que nous, de notre côté, on puisse reprendre. On attend, on espère peut-être des décisions. Qui devra arriver cette semaine, moi, on pas d'informations pour l'instant, mais... On garde l'espoir de reprendre la compétition parce que malheureusement, si jamais ça ne devait pas être le cas, la saison s'arrêterait déjà pour l'US Saint-Malo. Mais on ne veut pas croire à ce scénario. Et on espère de tout cœur que la FFF va être attentive à nos attentes et nous permettre de reprendre la compétition. Et il nous reste à vous remercier beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux, que ce soit pour le match à Jungla-Cesson la semaine dernière avec la diffusion de TVRN, qu'on remercie aussi pour cette diffusion. Et aujourd'hui encore, on a eu quelques chiffres à la mi-temps. Vous étiez, malgré l'horaire un peu particulier, vous êtes nombreux à travailler à cette heure-là. Merci de nous avoir suivis. On essaiera peut-être de vous proposer, si le championnat reprend, d'autres, peut-être qui sait, d'autres retransmissions de ce type, on l'espère. Merci à vous. Merci, Brian. Merci, Morgan. Un super consultant. C'était très agréable. C'était partagé. À bientôt à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bonne fin de journée.